Eh bien, salut à tous les amis, c'est l'Estifoot. On se retrouve ce soir pour un nouveau live avec de la Ligue 2 et à l'affiche Caen Metz, le dernier live de cette deuxième journée de Ligue 2. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue, vous êtes déjà très nombreux les amis. Bienvenue Damien, bienvenue ZFR448 Enzo, bienvenue Futsiago, bienvenue Xenis, Amir, Fortnite Pro Tournoi, bienvenue à tous ceux qui sont déjà là, bienvenue Mohamed bien évidemment. Bienvenue à tous, déjà un grand merci à Fortnite Pro Tournoi qui est passé de joueur espoir à joueur pro. Merci beaucoup Fortnite Pro Tournoi, des gros GG les amis dans le chat. Et voilà, quand mais ça fait plaisir de faire un petit live de Ligue 2 lundi soir. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, je vous avais dit que je voudrais faire un peu plus de. Voilà, l'année dernière j'ai dû faire quelques matchs de Ligue 2 en live. Cette année j'ai envie d'en faire un peu plus. Et on en a fait un samedi avec Saint-Etienne Nîmes. Et là on se retrouve du coup pour Caen Metz. J'espère que vous êtes chauds les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue. Et donc on va commencer l'avant-match avec les compositions qui sont donc déjà sorties. Le 3-5-2 de Caen et le 4-2-3-1 Metz 1 les amis. Je vous laisse regarder tout ça. Pendant ce temps je vais lancer le duel des fans du coup là où voilà, vous pourrez taper point d'exclamation espace Caen, point d'exclamation espace neutre et point d'exclamation espace Metz. Il est lancé le sondage et puis voilà. Merci beaucoup Gaël pour ton don. Déjà un don de 20 francs suisses de la part de Gaël. Merci beaucoup Gaël. Un grand salut à tous. Et oui, je squatte aussi la Ligue 2 quand j'ai le temps de mes Gaël. Et comment va notre listi? Bois bien car nous on est là, on a chaud. On est chaud plutôt et on est bouillant et on veut du spectacle. Enjoy life de mes Gaël. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de prendre une bouteille, mais c'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas Gaël pour ton énorme don encore. Je sais pas si vous l'entendez, mais ma voix elle, on va dire qu'elle a des séquelles d'hier. J'espère que ça va passer. En tout cas merci beaucoup Gaël encore une fois. C'est énorme, des gros GG à Gaël dans le chat. Gros GG à Gaël. Et merci beaucoup encore Gaël. C'est fou. Des gros GG à Fortnite Pro tournoi PS4 qui est passé du coup membre joueur pro. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Gaël. Oh là là, merci du fond du cœur. Des gros GG dans le chat. Des gros GG. Le match n'a même pas encore commencé, le live vient à peine de commencer et déjà c'est énorme. Salut Braithwaite, salut Owi, tu préfères qui entre Caen et Metz? Bon là aussi hein, les amis, aucune préférence. Hein. Aucune préférence les gars. Je vois que vous êtes déjà très. Alors qu'on a on a Xenis qui nous met, mais Gaël, quel goat nous met Xenis. C'est le mot clairement, mais merci beaucoup Gaël, t'es incroyable encore, incroyable. Est-ce que tu es malade ou tu as le Covid? Non, pas du tout Omar, en tout cas pas que ce geste. Pas que je sache. Merci beaucoup Laburu pour ton abonnement. Salut Amjad. J'ai une question, est-ce que tu crois à Seko Fofana à l'OM? Pourquoi pas, mais ça m'étonnerait quand même. Je pense que la saison elle a commencé. Je vois pas trop. Après pourquoi pas, en vrai, c'est pas impossible. Salut Baba. Salut Baba les amis, on va commencer du coup cet avant-match. Je rappelle que le match commence à 20h45, soit dans environ 10 minutes. On va pas perdre plus de temps que ça pour ce dernier match, cette deuxième journée de Ligue 2. Je vous ai déjà mis les compos juste en dessous, je vais vous mettre le classement en haut à droite. Vous voyez ce classement les amis. On va d'abord parler des compos avant de parler du classement. Bon, vous regardez hein, ce que vous voulez. Mais du coup au niveau des compos les gars, 3-5-2 du côté de Caen avec Mandrea dans les buts. Thomas plutôt, si c'est Take Keu peut-être, ouais je pense que ça se prononce peut-être alors c'est un Camerounais, non, donc ça doit se prononcer Taiku. Alors bon, je vais le prononcer comme ça. À droite au milieu de terrain on a Van der Merch, Daubin, Diani, Brahimi, Abdi, et en attaque on a SND et Mendy pour Caen. Et en tout cas du côté de voilà, du côté de Metz c'est un 4-2-3-1 avec Oukidja dans les buts qu'on connaît bien. Oukidja, Udol, Kandé, Kouyaté et Mikkel Brensi, Traoré, Maïga, Gay, Mikotadze, Jalo et Nian du côté Messin du coup de titulaire. Il y a quand même de gros joueurs. Il y a quand même de gros joueurs hein, du côté de Metz, franchement. La composition, parce que voilà, l'année dernière, on a souvent commenté les matchs de Metz hein, parce qu'ils étaient en Ligue 1. Et il n'y a pas tant de joueurs chats qui sont partis. En tout cas, il y a quand même de nombreux joueurs qu'on avait en Ligue 1 qui sont toujours à Metz. Oukidja, Udol, Kouyaté, Nian. Gay, Maïga, bref, il y a plein de joueurs de Metz qui sont encore, enfin qui sont restés au club malgré le fait que Metz soit descendu en Ligue 2. Ibrahim Agnan, je pensais pas qu'il allait rester à Metz, honnêtement, c'est quand même un joueur, je pense, qui a sa place dans une autre équipe. Il faisait partie des meilleurs buteurs de la Ligue 1 aussi, passé un temps, donc en vrai, c'est assez étonnant, mais grosse composition du coup du côté de Metz. Du côté de Caen, je connais un peu moins les joueurs, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez les gars dans le chat. Tandis qu'au niveau du classement, les deux équipes ont commencé par une victoire. Hein. Caen a commencé par une victoire, Metz a commencé par une victoire, ce qui explique donc la 7ème place de Metz et la 9ème place de Caen. Seul Guingamp pour le moment a fait deux victoires. C'est-à-dire que si jamais Caen gagne, Caen rejoindra Guingamp. Donc si jamais Metz gagne, Metz rejoindra Guingamp. Et si jamais
Il y a un match nul, bon bah voilà, hein, ils vont rejoindre Bordeaux, Dijon, Paris, Paris FC, Grenoble, Valenciennes qui ont fait donc une victoire et une défaite. D'ailleurs voilà, puisque je vous parle de Guingamp qui a gagné ses deux premiers matchs, je vais vous montrer les résultats de la journée, les amis. Alors les résultats de la journée, ils sont juste là, du coup les résultats de cette journée de Ligue 2. Hop là, cette deuxième journée hein, déjà, alors qu'en Ligue 1 on vient juste de terminer la première. En Ligue 2 ils vont terminer la deuxième. Et oui, ils vont terminer la deuxième journée. Donc voici les résultats de la deuxième journée. On a Saint-Etienne qui a fait un partout sur leur pelouse face à Nîmes. On avait vécu le match en live. On a Valenciennes qui s'est imposé 1-0 face au Havre, 1-0 pour Grenoble face à Sochaux. Bordeaux s'est imposé 3-0 face à Rodez. Bordeaux qui commence plutôt bien cette Ligue 2. On a le Paris FC qui s'est imposé 2-1 sur leur pelouse face à Quevilly. 2-1 pour Guingamp face à Laval avec un très beau but de la part d'un Guingampais. 0-0 entre Pau et Dijon. 4-1 pour Bastia face à Niort. 1-0 pour Amiens face à Annecy. Et donc ce soir entre Caen et Metz, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Je vous remontre aussi les résultats de la première journée. Hein. On a dit que Caen et que Metz avaient gagné leur premier match. Effectivement, Caen c'était face à Nîmes avec une belle victoire 1-0. Et Metz c'était face à Amiens avec une grosse victoire 3-0. Ce qui explique notamment que Metz est au-dessus de Caen au classement. Puisque même si les deux équipes ont gagné, Metz a un meilleur goal à virage. Voilà du coup les amis pour les autres scores de la deuxième journée et donc de la première journée. Salut ZFR 448 Enzo en tant que Lyonnais Saint-Etienne dernier, ça me fait rire. J'espère qu'ils seront en National ou Ménaïta S. Metz survole la Ligue 2. Chaque fois, je les vois mal fail à la deuxième journée. Nous met Damien. Je vote Metz, nous met Janine. Ouais, évitez les spams, les gars, dans le chat, c'est important. Metz doit clairement s'imposer, même à l'extérieur. Nous met Liberty. Pour Metz, la perte de Boulaya va se voir. Mais Miko Tadze est très bon aussi. Nous met Zenis. Moussa qui nous met Caen. Salut, comment vas-tu? Peux-tu redire la composition de Caen, s'il te plaît? Les compositions sont juste en dessous de moi. La composition de Caen, elle est juste en dessous de moi, les gars. Salut Daniel, salut Daniel. 111 est encore à Metz. Alors 111, non, je crois, non, hier il a joué dans le multiplex, mais c'était où déjà? Oh punaise, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, j'ai mis. Hier il a joué avec une équipe dans le multiplex, mais je sais plus avec qui. Bah je sais plus, mais il est plus à Metz, ça c'est sûr. Il est en Ligue 1 dans une équipe, mais je me rappelle plus laquelle exactement. Il a joué en plus hier, j'avais cité son nom, mais je sais plus quelle équipe. D'ailleurs voilà, je voulais répondre à, je crois que c'est Damien qui nous parlait que Metz voilà, survole la Ligue 2 et tout. C'est vrai que Metz c'est quand même une équipe qui est habituée, on va dire, de faire l'ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2. C'est une équipe qui monte en Ligue 1, qui descend en Ligue 2, qui remonte très vite en Ligue 1. C'est pour ça notamment que j'ai mis dans le titre que voilà, c'est un choc entre deux prétendants à la montée. Caen, je sais pas, même si bon, Caen a quand même gagné ça la première journée, donc ils vont peut-être jouer la montée. Mais Metz voilà, c'est vraiment une équipe qui lorsque est habituée à avoir ce rôle d'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc c'est une équipe qui est clairement favori cette année pour remonter. Hein. Je ne sais pas qu'ils vont remonter, surtout que c'est plusieurs cette année, puisqu'il n'y a, que deux équipes qui vont remonter. Mais Metz est quand même favori. Hein. pas à Montpellier. Ah c'est possible. C'est possible Damien honnêtement. Ah bah attends, en vrai je vais regarder. Hein, je vais regarder. Mais il a joué hier, je le sais, mais je m'en rappelle plus quel club. Ça m'aide toujours Metz, mais non, il est plus à Metz. 111. Salut Footlife. C'est sur OBS Studio Footlife. Mais chaque fois il descend, il remonte comme 3. Bah, voilà, c'est ça, Liberty. Caen est très inconstant, je les vois mal gagner aujourd'hui, du Met Damien. Ils sont chez eux. Après, ils sont chez eux quand même. Le stade, voilà, c'est Caen qui va évoluer au stade Michel Dornano. Donc peut-être qu'ils peuvent. Voilà, ça peut peut-être que bah, ça va jouer forcément en leur avantage, on va dire. Mais hop là, mais après, est-ce que c'est suffisant pour aller gagner face à Metz? Voilà, ça peut aider, mais bon, au bout d'un moment, si l'adversaire est bien plus fort, ça, je vais pas dire que ça sert à rien, mais voilà, on a eu l'exemple avec Clermont qui s'est pris 5-0 chez eux. Donc voilà. Et pour quel club en fait? Tu neutre, moi, Daniel. Palmarès de Caen, on a Aurel San, mais Damien. La meilleure ambiance de Ligue 2, c'est Caen, mais oui. En vrai, ils ont un très beau public. Caen, alors maintenant que Saint-Etienne et Bordeaux sont descendus, bon, même si Saint-Etienne ils sont à huis clos, mais Saint-Etienne et Bordeaux qui sont descendus, c'est une très grosse ambiance aussi. Mais Caen, c'est vrai que c'est une bonne ambiance. Mais en Ligue 2, il y a des bonnes ambiances, honnêtement. En Ligue 2, très bonne ambiance. Donc, du coup, 111, 111, il est. Pour moi, c'est marqué qu'il est toujours à Metz. Alors, peut-être qu'il a été prêté, mais hier, on l'a commenté en Ligue 1, mais je sais plus avec quelle équipe. C'est peut-être Montpellier, comme disait Damien.
En tout cas, les gars, voilà du coup pour les compositions. Votre avis sur les compositions, peut-être que certains ont un avis précis. N'hésitez pas à mettre tout ça dans le chat, bien évidemment. On est à un peu plus de 10 minutes du coup d'envoi. On a encore le temps de parler de l'avant-match. Si jamais vous avez des pronos, balancez-moi vos pronos dans le chat, n'hésitez pas. On a salut Tanou 63. J'ai vu quelques pronos. On a Katou qui nous pronostique un match nul. Les Ozarbes, c'est nous les meilleurs, nommés Fortnite Pro. Voilà, Fortnite Pro qui est supporter bordelais. Et c'est vrai qu'avec la descente de Bordeaux et Saint-Etienne, les supporters, ça y va quand même. C'est deux clubs avec un très gros public. Pour toi, laquelle équipe est la plus agréable à regarder jouer, Damien, en Ligue 1 et en Ligue 2? Parce que c'est vrai qu'en Ligue 2, je pourrais pas trop vous dire, parce que j'ai pas regardé. Il y a certaines équipes que j'ai peu regardé leur match, donc je pourrais pas dire. En Ligue 1, voilà, on l'a vu ce week-end. En Ligue 1, c'était très plaisant de regarder Strasbourg-Monaco, très plaisant. On a eu un Clermont-Paris qui était incroyable. Hein. Paris, on est obligé de les citer dans cette question-là. On a eu de très bons matchs. Franchement, il y a beaucoup d'équipes qui sont plaisantes à regarder, honnêtement, Damien. Et je trouve que les dernières années, le niveau évolue. En tout cas, c'est de plus en plus plaisant, on va dire. Encore un énorme merci, hein. Je rappelle à Gaël pour son don, c'est fou. Hein. Merci beaucoup, Gaël, tout à l'heure. Et merci à Fortnite Pro également. Vous êtes vraiment des cracks, les amis. Du coup, voilà pour les compositions. On a fait le tour de pas mal de choses au niveau de l'avant-match, mais on n'a pas encore terminé. Il y a encore quelques petites choses à vous montrer, les amis. Hein. Je le rappelle, Caen et Metz qui ont tous les deux gagné leur premier match. Caen qui s'est imposé 1-0 face à Nîmes, Metz qui s'est imposé 3-0 lors du premier match. Maintenant, je remontre le classement. Si jamais il y a un vainqueur, le vainqueur ira rejoindre Guingamp qui est la seule équipe. Hein. C'est quand même assez étonnant que ce soit la seule équipe à avoir gagné ces deux matchs. Ça veut dire que voilà, c'est que Guingamp qui a gagné ces deux matchs. Donc ça va être assez serré, hein, cette saison. En tout cas, elle s'annonce comme ça pour le moment. Mais voilà, si jamais il y a un gagnant dans ce match-là, il ira rejoindre en termes de points les Guingampais. Et si jamais il y a un match nul, on a Bordeaux, Dijon, Paris FC, Grenoble et Valenciennes qui a fait une victoire et un nul. Voilà les amis, je voulais vous montrer les meilleurs buteurs aussi, hein, de Ligue 2, le classement du meilleur buteur. On voit qu'il y a déjà quand même pas mal de joueurs, hein, à deux buts, et on a deux Guingampais, hein, déjà à deux buts. Bon, on n'a aucun joueur de Caen ni de Metz, hein, aucun a mis un doublé. Mais voilà, je vous laisse regarder le classement des meilleurs buteurs de Ligue 2, le top 10. Je suis inquiet pour Saint-Etienne, nous met Janid, mon prono le met Mohamed. Alors attends, je vais regarder ton promo Mohamed qui nous met victoire de Metz 3-0, Caen, et stopper la série de Caen, nous met Mohamed. Tu vois une grosse victoire, hein, de Metz, Mohamed. Alors, on a 2-0 pour Metz, nous met Omar. 3-1 pour Metz, nous met Liberty. 2-1 pour Metz pour Janine. 0-0, nous met Fortnite Pro. T'as pas peur de la descente de Saint-Y. Pour le moment, ils sont mal partis, les Stéphanois, mais il reste encore du temps. Ils ont fait un match nul contre Nîmes qui était quand même satisfaisant d'un point de vue jeu. Le premier match, c'était face à qui déjà? Le premier match, c'était face à. C'était face à qui le premier match, Stéphanois? Putain, j'ai vraiment une mémoire. En tout cas, face à Nîmes, ils ont fait match nul, mais c'était assez satisfaisant, on va dire, leur niveau. Le premier match, ils ont perdu les Verts, mais c'était, putain, je me rappelle plus contre qui c'était contre Dijon, mais oui, contre Dijon. Mais en vrai, les Stéphanois pourront commencer à être inquiets une fois que une fois qu'on aura dépassé la journée 5, si les Stéphanois, les résultats Stéphanois sont pas satisfaisants, ils pourraient commencer à avoir l'inquiétude. Mais là, en vrai, ça fait que deux matchs, ils ont pas non plus perdu leurs deux matchs, ils ont fait un nul, une défaite. Sachant que le match nul, c'était quand même au niveau du jeu, ils auraient pu gratter la victoire. Je suis pas inquiet pour les Verts, mais bon, ça commence quand même à arriver. 2-0 pour quand on met Tom. En espérant que dans les années à venir, voir un championnat moins prévisible et plus compétitif, nous met Damien. En vrai, à part Paris qui domine quand même bien les hostilités en Ligue 1, c'est serré, hein, mine de rien. Et je pense que Paris peut avoir même de la concurrence, hein, cette saison. Même si c'est vrai qu'ils semblent plus que jamais très très bons, les Parisiens. Mais peut-être qu'ils peuvent avoir la concurrence, hein. Saint-Etienne va descendre en national, mais oui, on l'espère pas pour les Verts, on l'espère pas. Donc voilà, du coup les amis, on a fait le tour, hein, au niveau de l'avant-match. On a fait le tour, les amis, bien sûr au duel des fans. Vous êtes plus de 150 déjà, 160 à avoir voté. Vous êtes 34% à être pour Caen, 28% sont neutres et 37% sont pour Metz. Vous êtes quand même très nombreux, hein, les supporters de Metz. En vrai, c'est assez serré, hein. Même les neutres sont en force aussi, les amis, les personnes qui ne supportent ni Metz ni Caen. C'est très serré au niveau du duel des fans. Je rappelle que vous pouvez toujours voter dans le chat au duel des fans. Vous pouvez aussi taper le point d'exclamation espace Caen, le point d'exclamation espace Metz et le point d'exclamation espace neutre dans le chat si vous voulez. Et voilà, vous pouvez juste voter aussi sur le sondage que je vous ai lancé dans le chat. Ça marche comme vous voulez, vous pouvez faire les deux, c'est comme vous voulez, les gars. Likez les amis, nous met Janine. En tout cas, merci aussi à tous. Vous êtes déjà 67 à avoir liké, c'est juste affolant, c'est juste incroyable. Merci beaucoup. Salut Com, salut mon Hooper qui nous rejoint. Bonsoir les titres, toi, tu vas bien? Ça va très très bien, Hooper. Très content de vous retrouver pour une soirée Ligue 2, hein, partout pour moi, nous met Hooper. Voilà, donc pour
Voilà, Hooper qui nous met match nul. Vous êtes quelques-uns à m'avoir mis match nul. Beaucoup quand même voient une victoire de Metz. J'en ai vu quelques-uns mettre une victoire de Caen, mais ça reste assez léger. Salut mon Waltex Foot, salut mon frérot. Salut Noah qui nous rejoint, supporter Rennais. On a Omar City qui voit Metz gagner. Moi, je peux pas voter. Le sondage, je sais pas pourquoi. Ah bon ? C'est quoi ce... Mais le sondage que j'ai lancé dans le chat ou là où il faut taper Fortnite Pro ? C'est bizarre, c'est bizarre. La Normandie est en rouge et bleu, nous met oui. Allez, le match qui va commencer dans un peu plus de 5 minutes, on a encore le temps. Je vais me mettre le match sous les yeux du coup là. Alors, est-ce qu'il est sur Bein ou sur Prime le match ce soir? Je rappelle qu'en Ligue 2 c'est pareil qu'en Ligue 1, il y a 8 matchs sur Prime Vidéo et 2 sur Bein Sport. En Ligue 1, il y a 8 matchs sur Prime Vidéo et 2 sur Canal. Et ce soir, il est sur Bein Sport le match, donc je vais me caler. Bein Sport pour pouvoir vous commenter cette rencontre qui va être quand même on l'espère avec des buts, avec de l'intensité. Hop là, Bein Sport 1 pour ceux qui veulent la chaîne les amis. Et voilà, le match commence dans 5 minutes les gars. Je remonte les compositions pour ceux qui ne les auraient pas vus. Avec le 3-5-2 du côté de Caen et le 4-2-3-1 du côté de Metz. D'ailleurs Caen, les habitants de Caen, on les appelle les Canets ou pas du coup les amis? Je pense pas hein, parce que les Canets c'est pas les habitants de Cannes. Bref, c'est une petite question que je viens de me poser. S'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. En tout cas voilà, on voit le 3-5-2 mis en place par Moulin, le 4-2-3-1 mis en place par Bologna du coup du côté de Metz. Je vous les remonte ces compos pour ceux qui ne les auraient pas vus, avec une grosse compo du côté de Metz hein. Franchement grosse compo du côté de Metz. Du côté de Caen, je connais un peu moins les joueurs, mais je vous laisse mettre bien sûr votre avis toujours dans le chat. Le match il est sur quelle chaîne? Mais Omar, voilà, sur Bein 1 hein, le match les gars. Nian buteur, mais Kyrian. Possible que Ibrahim Manian sera buteur, c'est une grosse, ouais, c'est un gros joueur, un très gros joueur Nian à la pointe de l'attaque Messine, ça peut faire mal, hein, ça peut faire très mal. C'est quoi ton prono? Ah, c'est vrai que j'ai pas dit mon prono les gars. Oui, on dit les Canets, ok, merci Odette. Je vais du coup dire les Canets lorsque Caen aura le ballon. Mon prono entre Caen et Metz, je vais rejoindre la plupart d'entre vous, je pense que Metz va s'imposer. Je pense que ça va être un match assez disputé entre Caen et Metz, ça va être assez chaud, il va y avoir une bonne ambiance. Mais ouais, je pense que Metz va s'imposer. Mais je vois quand même un but de Caen. Donc 2-1 pour Metz. Un partout, voilà. Peut-être un partout, mais je dirais plus de 2-1 pour Metz, les amis. Victoire de Metz ou match nul, ce serait mon prono. Après, voilà, bonne chance au Canet, bien évidemment. Ce soir, c'est le duel des gardiens algériens. C'est vrai qu'on a Oukidja dans les buts de Metz et Mandrea, du coup, dans les buts de Caen. Ah ouais, effectivement, c'est aussi un gardien algérien, Anthony Mandrea, dans les buts de Caen. Les amis, ça y est, Bein Sport là qui vient de prendre l'antenne. Le match commence dans 4 minutes. Match qui va être arbitré par Monsieur Bollangier. Les amis, tac tac tac, on est là, on est présent pour vous commenter ce match. En tout cas, merci à tous d'être là. Vous êtes 121 à être présents alors que le match n'a pas encore commencé. C'est juste fou. Merci à vous tous. Et comme quoi la Ligue 2 qui plaît aussi. La Ligue 2 qui. Voilà, les matchs de Ligue 2 sont pas forcément à. Enfin comment dire. Soit on a tendance à croire, et c'est normal que la deuxième division française est moins élevée, et le niveau est moins élevé qu'en première, et c'est normal, mais c'est pas pour autant qu'elle est quand même pas agréable à regarder, et on va vivre, j'espère, un très bon match ce soir entre Caen et Metz. À Caen, c'est les Canets, à Cannes, c'est les Canois. Merci Benet, ok, du coup, merci Benet Olivier. Je le sais maintenant, merci à toi. Tu préfères l'OM ou le PSG? J'ai pas de préférence, les gars. Et puis non, j'ai pas de préférence. C'est deux équipes qui jouent très bien en plus, donc je peux même pas dire ouais, il y en a une, même si c'est vrai que le PSG avec les stars qu'ils ont et tout, on a vu quand même le match de Paris face à Clermont, la retournée de Messi et tout, c'était un plaisir. Allez les amis, les Canets et les Messins qui sont entrés là dans le stade. Michel Dornano de Caen, les supporters de Caen sont présents. Le stade est pas entièrement plein, mais en tout cas il y a du monde. Il y a du monde ici à Caen les amis pour suivre Caen Metz. Vous êtes très nombreux sur le live. Encore un énorme merci avant que le match commence les amis. Vous le savez, si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like pour aller pourquoi pas chercher le plus rapidement possible les 100 likes. Vous êtes vraiment énormes les gars. Merci à tous, hein, je répète. Merci pour ce week-end de folie, pour ceux qui ont passé le week-end sur les lives les amis, puisqu'on a fait toute la Ligue 1, c'était un truc de fou. Et merci encore à ceux qui sont là. Les amis, n'hésitez pas à lâcher votre petit like et aussi à vous abonner puisqu'on est en route vers les 18 000 abonnés comme nous met Damien. Dans 39 abonnés, nous sommes aux 18 000. C'est juste fou. Merci beaucoup. Et maintenant je vous laisse tranquille avec ça. Maintenant place au match. Les 22 acteurs qui vont se placer sur la pelouse de ce stade. Et le match va pouvoir commencer du coup entre Caen
MS, je rappelle, hein, le vainqueur qui peut rejoindre Guingamp. Hein, Guingamp qui est la seule équipe à avoir gagné ses deux premiers matchs. Quand s'est imposé lors de la première journée face à Nîmes 1 à 0, les MS1 sont imposés 3 à 0. Ah maintenant, est-ce qu'il y a une des deux équipes qui va gagner ou il peut toujours avoir un match nul, hein, les amis, je le rappelle qu'il peut toujours avoir un match nul, hein, c'est logique. Salut Ram Team, ça va très bien mon frérot, salut à toi. Les plus forts de Ligue 2, c'est Saint-Étienne et Bordeaux. En vrai, comme c'est vrai que c'est deux très grosses équipes qui sont descendues de Ligue 1, mais ils ont perdu beaucoup de joueurs et c'est pas parce qu'une équipe, voilà, c'est vraiment deux surprises quand même qu'on n'attendait pas forcément à voir descendre en Ligue 2, Bordeaux et Saint-Etienne, mais c'est pas parce que c'est des gros noms de clubs qui vont forcément dominer ce championnat, même si voilà, ils font partie des favoris, mais bon, on voit que le début de saison stéphanois est pas forcément très satisfaisant, celui bordelais il est quand même bon, mais bon, on verra. En tout cas, je pense que ouais, à partir de la cinquième journée, on va pouvoir vraiment voir les dynamiques, on va dire, de chaque club. Allez, ça y est les amis, les Messins qui sont en place, les Canets aussi, l'arbitre qui va mettre le sifflet à la bouche et le match va donc pouvoir commencer. Alors pour le moment il y a les arbitres qui font alors il y a une minute d'applaudissement, je vais vous dire la raison si jamais ils nous l'expliquent. En tout cas une minute d'applaudissement entre Caen et Metz. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une minute d'applaudissement, je sais pas trop. Salut Marjorie. Ok, ouais, donc une minute d'applaudissement, je connais pas la raison, les amis. Allez Metz nous met Childrak, salut David. Est-ce que tu vas montrer le match ou parler partout? On n'a pas le droit les amis de montrer le match sur YouTube, mais on va commenter ce match-là, on va le vivre à fond bien évidemment sur le live parce que c'est le but. Mais voilà, la minute d'applaudissement qui est toujours en cours, ça vient de se terminer. Place au jeu. Attends. Ah ok, je crois que la minute de silence elle est en l'hommage d'un ancien membre du club de Caen qui est peut-être décédé du coup ces derniers jours, hein, j'imagine. Allez salut Wafoot. Wow. Wow, j'ai failli m'étouffer les amis, mais c'est bon. On est là, on va pouvoir commenter du coup ce match entre Caen et Metz. L'arbitre qui a mis son oreillette. Ouais, il a l'air de faire des espèces de signes. On espère qu'elle fonctionne quand même son oreillette. À l'arbitre, et c'est le match qui va pouvoir recommencer, les amis. Excellent match à vous tous, c'est parti entre Caen et Metz. Que le meilleur gagne aujourd'hui entre Caen et Metz. Je l'ai mis dans le titre, c'est quand même deux favoris pour la montée, hein. Metz qui est une équipe habituée de faire l'ascenseur entre la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 1, la Ligue 2. Le Stade Malherbe de Caen qui est aussi une équipe de très haut niveau qui joue le haut de tableau en Ligue 2. Et ce sont deux équipes qui ont très bien commencé lors de la première journée puisqu'elles se sont imposées toutes les deux. Et on va voir maintenant qui de Caen, qui de Metz s'impose aujourd'hui. Ou peut-être que le match sera vraiment très très disputé à tel point qu'il peut peut-être se terminer en match nul. En tout cas, bon match à vous supporters Canet, supporters Messin, que le meilleur gagne avec un premier ballon récupéré par les Messins qui vont évoluer en blanc aujourd'hui et Caen qui va évoluer en rouge et en bleu, les couleurs habituelles du Stade Malherbe de Caen, alors qu'il y aura déjà un très très beau coup franc à jouer pour les Canets. Ça mérite déjà une animation, très beau coup franc à jouer là pour Caen, j'irai 20 mètres de la surface de réparation de Metz. Pour le moment déjà une minute que l'on joue. Salut Patrick. Hop là. Meurs pas, on a besoin que tu commandes, mec Zenith. T'inquiète pas, Zenith. Allez, il y aura un coup franc à jouer là pour Caen. Il y a Brahimi qui a placé le ballon. Ouais, il est même 30 mètres. Hein. Je pense qu'il a une bonne trentaine de mètres de la surface de réparation de Oukidja. Brahimi qui va pouvoir frapper, pourquoi pas, ce coup franc dans la surface de réparation. J'allais vous mettre les statistiques, les gars, parce que du coup, les statistiques ne sont pas les bonnes. J'allais vous réactualiser le classement. Et puis, on sera bon. Attention, le coup franc qui va être frappé. Brahimi qui attend le coup de sifflet de l'arbitre. Le temps pour moi de vous mettre les bonnes statistiques, les amis. Tac. Alors, les statistiques ne veulent pas se mettre. Allez, ça, le coup franc qui va être frappé. La tête pour Caen. Ça passe à côté des buts de Oukidja qui a enlevé sa main au dernier moment. Oukidja, il a très bien lu la trajectoire et il savait que ce ballon sortait dans tous les cas en sortie de but. Et donc, il y aura une sortie de but à jouer pour Metz. Je vous ai mis les stats comme vous le voyez à droite. Je vous réactualise le classement, les amis, rapidement. Et puis voilà, salut Pira. Salut à tous, amis. Vous êtes très nombreux, je pensais vraiment pas. C'est énorme, merci à tous ceux qui sont là. Et bien sûr je vous souhaite un bon match, mais un très bon live aussi à tous avec un ballon à droite là pour les Messins là, qui ont pourquoi pas partir en contre. Bon, dans les pieds de Jalo il est parti, va tenter de servir le numéro 9 avec Mikotadze qui a porté le ballon jusqu'à dans la surface de réparation de Caen. Mais l'arbitre va signaler une faute de la part d'un Messin sur sur le piston gauche de Caen. Abdi qui s'est écroulé, l'arbitre qui va signaler une faute pour Caen. Caen qui va pouvoir souffler. Tac. Avec du coup une faute. Hop là.
Allez, Banque qui va être dégagée là par le gardien de Caen. Le classement, les amis, je voulais réactualiser le classement. Le classement, je voulais réactualiser comme ça. Bah, pour le moment, il y a le point du nul qui s'est affiché. Regardez, le point du nul, il est affiché. Hein. Metz qui avec le match nul passe deuxième. Caen qui avec le match nul passe quatrième, hein, puisqu'il n'y a pas le même goal à virage. Et bien évidemment, le classement qui se réactualisera si jamais il y a des buts. Attention avec les Canets là pour rejouer un coup franc toujours dans leur camp avec le capitaine Canet qui va pouvoir porter le ballon. Thomas, Romain Thomas, l'ancien Angevin. D'ailleurs, on a Thomas, ancien Angevin, et le coach de Caen, Moulin, et aussi l'ancien coach de Angers, avec le ballon là côté gauche pour Caen. Pourquoi pas, ça va sortir en touche, touche pour Caen à gauche, vers le poteau de corner de Metz. Ça fait déjà 3 minutes que l'on joue. Caen a pour le moment quand même pas mal le ballon. Allez, avec la touche là qui va être jouée par Abdi. Abdi s'est joué, c'est bien joué là, les Canets qui ont pour le moment confisqué un petit peu le ballon à Metz. Mais il suffisait que je dise ça justement pour que les Messins le récupèrent, mais tout de suite le dégage un petit peu. En paniquant là, et ce sera donc immédiatement récupéré par Caen. Ah non, attention, la mauvaise récupération du ballon côté droit. Et non, finalement, c'est bon. Caen qui va plutôt pouvoir bien gérer cette récupération avec Mandrea, le gardien Canet, qui va récupérer le ballon et qui va relancer avec ses défenseurs. Thomas qui n'est pas plus gêné que ça hein, par le pressing. Il n'y a pas un très gros pressing de la part des Messins. Romain Thomas pour relancer. Allez, Guingamp nous met la caca dans le chat. Vu que j'habite pas loin de Annecy, je vais voir Annecy Saint-Etienne nous met Koum. Bon match. Attention avec le ballon côté gauche, pourquoi pas le dégagement là de la part d'un joueur de Metz, ça va revenir dans les pieds de Caen. Ouais, tous les Canets, hein, tous sauf le gardien, bien évidemment, sont installés dans le camp de Metz pour le moment. Mais là, ils vont revenir derrière avec Mandrea. Allez, Mandrea qui va peut-être écarter à droite avec Taikeu qui va encore écarter peut-être. Non, il va préférer revenir derrière. La belle passe là, de la part de Taikeu qui vient casser des lignes. Ça va être dans les pieds de Brahimi. Brahimi pour écarter à gauche. Le beau contrôle de la part de Abdi. Les Canets à l'attaque. Ballon dans la surface de réparation là, des Messins sera récupéré par Metz avec un contre à jouer là pour Metz. Maïga qui va s'écrouler, l'arbitre qui va signaler un coup franc pour Metz. C'est assez intense hein, ce début de match. Vous l'entendez sûrement aux commentaires amis, mais c'est quand même intense hein, ce début de match entre Caen et Metz. Déjà un tir hein, tout à l'heure pour Caen effectivement. Salut Sergio. Oh, merci à tous pour les 100 likes comme nous le met Fortnite Pro dans le chat. Les amis, on vient d'atteindre les 100 likes et même de les dépasser. Et vous êtes des monstres. Vous êtes incroyables, merci les gars, merci à tous les amis. La Ligue 1 veut revoir le SM Caen nous met SWB. Attention avec le ballon dans les pieds de Metz. Encore une fois, on est à 10 mètres de la surface de réparation de Caen. Caen qui réussit un petit peu à écarter le danger, même si le ballon restera dans les pieds des Messins. Ce sera écarté côté droit avec Mika Tadze qui longe la ligne de touche. Il va revenir dans l'axe. Le beau ballon dans les pieds de Maïga. Maïga, Mika Tadze encore une fois dans la surface de réparation. Et ce sera récupéré par le défenseur central Cissé du stade Malherbe de Caen. Pas pour longtemps, ils ont du mal à relancer un petit peu là les Canets. Maïga. Allez, Maïga pour écarter à gauche. Maïga avec Udol. Udol qui va pouvoir centrer. Le centre de Udol qui sera contré par un défenseur de Caen. Il y aura un corner à jouer. Je crois que c'est le premier corner. Ouais, c'est le premier corner du match. Le premier corner du match, il sera pour les Messins. Le match, il est sur Beansport 1, les amis, pour ceux qui demandent la chaîne. Après, on a Julien qui nous demande c'est sur la combien. Je sais pas le numéro de la chaîne, parce que moi, je regarde sur Internet. Allez, attention avec le. Enfin, sur MyCanal. Avec le corner à jouer, excusez-moi, pour Metz. Allez, le corner qui va être joué là par Metz côté droit. Oh, c'était pas très bien tiré, mais mine de rien, ça a quand même percé là dans la surface de Caen. Ils vont pouvoir même réobtenir un nouveau corner, deuxième corner consécutif pour les Messins. Toujours du même côté. Bon, les amis, on s'approche des 18 000 abonnés. C'est fou. C'est incroyable. J'annonce la victoire de Metz, même si j'aime les tripes à la mode Caen nous met Patrick, qui pareil aussi une victoire de Metz. Ouais, vous êtes quand même plus nombreux à voir Metz s'imposer que Caen. Mais bon, il peut toujours avoir des surprises, hein, bien évidemment. Alors qu'au niveau des cotes, c'est vrai qu'on n'a pas fait un tour au niveau des cotes, les amis. Je vous les ai même pas dit. Elles défilent, hein, elles défilent comme d'habitude ici. 2-20 la victoire de Caen, 2-90 le nul et 3 la victoire de Metz. Donc au niveau des cotes, c'est Caen qui est favori. Mais là, on l'a vu beaucoup de fois depuis le début de la saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Souvent, quand on ne sait pas trop, quand il n'y a pas une équipe qui domine, enfin qui est largement supérieure à une autre. Souvent, puisque c'est le début de la saison et qu'il n'y a pas les autres matchs avant pour décider les cotes, on va dire. Souvent, c'est l'équipe qui reçoit qui est la plus petite cote. Mais je pense au fur et à mesure de la saison, on commencera à avoir des cotes assez significatives. Parce que voilà, mine de rien, on sait que le niveau de chaque équipe au début de saison est parfois un peu... Enfin, c'est, on va dire qu'on ne sait pas trop le niveau. Alors que là, il y aura un ballon qui va sortir en touche à gauche pour Caen, toujours vers le poteau de corner de Metz.
Ouais, ça va d'un but à l'autre. Honnêtement, ça va d'un but à l'autre pour le moment dans ce début de match. Et la touche qui va être jouée par Abdi, côté gauche. Que le meilleur gagne, nous met super GG. Que le meilleur gagne, bien évidemment. Et pour le moment, il y a toujours 0-0 avec Abdi. Abdi qui cherche une solution. Il va trouver un de ses coéquipiers dans la surface de réparation. Bon, allons là dans les pieds de. Attendez, mais c'est moi ou il y a un numéro 99? Ah ouais, c'est SND, le numéro 99 de Caen, ok. Original d'avoir un attaquant avec le numéro 99. Attention, ballon là qui va être servi pour Ibrahim Agnan. Agnan aura un contre à jouer. Agnan pour servir Miko Tadze. Miko Tadze qui va pouvoir écarter à gauche avec Udol. J'aime bien en vrai Miko Tadze, là le numéro 9 dans le dos, mais qui joue le rôle de numéro 10 là dans ce 4-2-3-1 du côté de Metz. C'est vraiment pas mal pour le moment ce qu'il nous produit. Udol encore une fois, il passe un petit peu en force à côté gauche. Il passe même carrément en force. Il fait tomber deux canets sur son chemin. Il a pas regardé le ballon, il a juste voulu faire tomber un maximum de défenseurs possible. Il a réussi son coup. Parce qu'il a fait tomber deux défenseurs. Mais bon, du coup, l'arbitre a été obligé de signaler un coup franc, bien sûr, pour Caen, dans leur camp, dans leur surface. Alors qu'on a Ludo qui a parié 10 euros sur Metz. Ok, ok. Espérons pour toi qu'il s'impose alors. Ça sent peut-être bien les 18 000 d'ici ce soir de Metz. Hein. Metz va très vite dégager de la deuxième place de Metz Fortnite Pro. Ouh, attention, attention, attention. Attention quand même. Allez, le ballon dans les pieds de Metz à gauche. Maïga. Ouais, Maïga là qui tourne sur lui-même. C'est magnifique, il est passé. Maïga, le festival de Maïga. Avec Miko Tadze. Miko Tadze. Donc au niveau des stats pour le moment. Ouais, 56 à 44 la possession pour Caen. C'est Caen. Ah non, attendez. Non, je vous ai mis la. Je vous ai pas mis les bonnes stats. C'est mieux si je vous mets les bonnes stats. Attention avec cette frappe là, la belle frappe de la part de Ibrahim Agnan côté gauche. C'est une des premières frappes, du coup c'est bon les stats, je viens de vous mettre les bonnes. Cette fois-ci c'est bien les bonnes stats. Les amis, là on vient d'assister à une belle frappe de la part de Ibrahim Agnan. C'est la première frappe du côté de Metz, les stats devraient se réactualiser dans pas longtemps. Mais belle frappe de la part de Ibrahim Agnan là, pied droit, qui était même peut-être cadré. Je suis pas sûr mais peut-être qu'elle était cadrée cette frappe. Dans tous les cas le gardien était sur la trajectoire. Attention avec la tête côté droit de la part de Michael Brency. Les Bessins qui vont pouvoir garder et conserver ce ballon. Traoré. Allez, Traoré pour écarter avec Gueye. Gueye. Gueye qui a tenté de resservir Traoré. Mais malheureusement pour lui, le ballon qui a été récupéré par Caen. Il y aura peut-être une occasion de contre à jouer avec Daubin. Daubin qui revient avec ses défenseurs. Van der Merch. Salut Alicia. Salut Menahem. Salut, salut. C'est quoi ton prono, me demande Julien. 2-1 pour Metz, je reste sur le prono que j'avais dit en avant-match les gars. 2-1 pour Metz, c'est mon prono. Après voilà, ce n'est que mon prono. Je pense que les habitués des lives, on va dire, savent que mine de rien, c'est pas souvent que je réussis les pronos, quoique ça m'arrive des fois. Mais c'est pas souvent souvent quoi. Allez, attention avec le ballon encore une fois pour Metz. Metz qui traîne aux abords de la surface de réparation de Caen. La belle tête de la part d'un Metz dans la surface de réparation là, à la hauteur du point pénalty. Ce sera capté par Mandrea. Belle tête hein, quand même de la part alors c'était pas Ibrahim Agnan. C'était qui là le joueur qui a mis cette belle tête? Ah si, c'est peut-être lui en fait hein. Non, c'était pas lui. C'était pas lui. C'était ouais, c'était peut-être Gueye, j'imagine. Je sais pas trop. En tout cas voilà, Ibrahim Agnan qui était juste devant. Mais c'est pas lui qui a repris le ballon de la tête. Je pense que c'est Gueye, hein. Ailier gauche, ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait pas que ce soit lui qui était présent à la surface de réparation. En tout cas on reste à 0-0 entre Caen et Metz. Alors qu'on a dépassé il y a une minute les 10 minutes de jeu pour le moment. Il y a toujours 0-0 alors que les Canets prennent un petit peu de risque quand même en faisant tourner dans leur défense. Là ils vont perdre le ballon. Ce sera récupéré par Metz avec Alexandre Oukidja qui va pouvoir relancer. J'ai parié 50 euros sur Metz, mais Menahem. Au-dessus, j'ai vu Emir qui a mis. Moi, j'ai parié 200 euros sur Metz. Ok, ok. Donc, vous êtes vraiment beaucoup à vouloir que Metz gagne et vraiment vouloir quoi. Parce que là, perdre 50, 200, bon, c'est pas fou quoi. Salut, chaîne YouTube hors ligne. Caen n'est pas un prétendant à la montée. Voilà, j'ai mis ça dans le titre. Après, on sait pas, en vrai, on sait pas. Mais bon, Metz en est un, ça c'est sûr. Caen, est-ce que c'est vraiment un prétendant à la montée? En tout cas, ils ont bien démarré leur saison, on va dire, Caen. Et pour le moment, ils sont loin d'être ridicules face à Metz. Allez, la ballon qui va être captée par Oukidja. On a un pigeon qui s'est assis carrément dans la surface de réparation de Oukidja. Alors qu'il y a une action qui se déroulait vraiment sans rire à 2 mètres de lui. Et le pigeon, il est assis dans la surface de réparation de Oukidja. L'arbitre qui va arrêter le jeu pour faire sortir le pigeon, ah bah il s'envole de lui-même, scène assez insolite là. Ah non, en fait il n'arrive pas à s'envoler. Il n'arrive pas à s'envoler le pigeon. Pour le moment on suit l'action d'un pigeon sur le stade Malherbe de Caen. C'est assez marrant les gars. Il s'est vraiment posé dans la surface de réparation sans pression le pigeon.
En plus, on a Oukidja qui commençait à sortir dans les pieds d'un canet et le pigeon qui est passé entre ses jambes. Bref, on n'est pas passé loin d'un meurtre de pigeon. Heureusement que ça n'est pas arrivé. Alors. Yo, as-tu vu bien? Je t'ai pas vu. Alors attends, Damien. Et avec une cote boostée, j'ai une cote à 4,07 pour la victoire de Metz, Damien. Bon, là, je vous dis, hein, les cotes qui défilent ici, la victoire de Metz, elle est cotée à 3,10. C'est vrai que la victoire de Metz, elle y a une plus grosse cote que Caen. Donc, en langage pronostic, Caen serait favori. Dans Pwin. Ah, ok, Damien. Ouais, je crois que c'est les cotes de Betclic là qui défilent. Attention avec le ballon côté gauche là pour les Messins, ça combine bien, on s'approche de la surface de réparation du côté de Metz, ballon qui va sortir en touche. Voilà, ça fait, on s'approche du quart d'heure de jeu, on commence un petit peu à voir les écarts, on va dire, qui se creusent entre Caen et Metz. On commence à voir que Metz, voilà, Metz, plus le temps passe, plus Metz se détache un petit peu de Caen et meilleur vraiment que les Canets, même si là il y aura un contre à jouer pour Caen avec un ballon à droite pour Van der Mis. Van der Mis qui va pouvoir centrer, le centre de Van der Mis qui sera dégagé par un défenseur de Metz, ça va revenir dans les pieds des Canets, il y aura peut-être une deuxième chance avec Van der Mis toujours, enfin non c'est pas Van der Mis, c'est Van der Merch plutôt, et il va s'écrouler le piston droit de Caen et il y aura un coup franc. On met l'animation là aussi parce qu'il y aura un très beau coup franc pour Caen côté droit, un petit peu excentré, à 20 mètres de la surface de réparation. Il peut potentiellement avoir un joueur qui claque une tête dans la surface, c'est possible. Salut Dimitri, salut tout le monde, un bail que je ne suis pas passé, ravi de te retrouver, salut à toi Dimitri, bienvenue à toi. Allez Caen, mais William. Guingamp fait partie des équipes pour la montée. Bah pour le moment, Exo, Guingamp, c'est la seule équipe qui a gagné ses deux premiers matchs, comme vous le voyez au classement. Metz et Caen peuvent rejoindre Guingamp, mais pour le moment, Guingamp est la seule équipe à avoir gagné ses deux premiers matchs. En vrai, c'est assez fou quand même qu'il n'y ait que Guingamp pour le moment sur les 20 équipes, bon, même s'il y en a encore deux qui n'ont pas joué. C'est quand même fou qu'il n'y ait qu'une équipe qui ait gagné ses deux premiers matchs pour le moment. Alors qu'on a Van der Merch autour du ballon là pour frapper ce coup franc. On a Brahimi aussi, hein, je crois, autour du ballon du côté de Caen. Et c'est Van der Merch qui va s'écrouler, c'est Brahimi. C'est Brahimi qui va frapper ce coup franc. Il n'a pas d'autre choix, hein, que le frapper dans la surface de réparation. Il ne peut pas frapper direct. Hein. Je pense pas qu'il puisse le frapper direct là. Il y aura un beau coup franc du coup à jouer pour Caen. Il y a du monde dans la surface. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadets dans la surface de réparation. Il y a de la taille également avec la grande taille de Teiku là dans la surface. Et le coup franc qui va être frappé finalement par Oukidja, enfin capté par Oukidja, c'était pas très bien frappé de la part de Brahimi. Il y aura un contre à jouer là pourquoi pas pour Metz avec un ballon qui va être écarté à droite. Attention Jalo qui va être obligé de revenir derrière avec Maïga pour Traoré qui a porté le ballon, Traoré pour écarter pourquoi pas. Il y avait un bel appel de la part de Gay qui sera servi par l'intermédiaire de Mick. Bon, attention le centre là de la part de Metz, j'ai même pas eu le temps de finir la fin de son nom, en tout cas c'était bien joué de la part de Miko Tadze qui a servi Gay côté gauche, bossant de la part de Gay mais qui n'a été repris par aucun Messin et ce sera donc repris par les Canets qui vont pouvoir partir en compte avec Brahimi à son tour. Brahimi qui attend du soutien, il va être obligé de revenir derrière Brahimi, c'est dommage là que cette offensive Canet soit coupée. Ballon écarté à droite pour Caen encore une fois avec SND qui va pouvoir écarter Van der Merch qui est obligé de revenir derrière Daubin. Allez, ça revient derrière. On a Menahem qui nous met, est-ce que tu vas faire Monaco le live? Les amis, demain on fera Monaco PSV en live sur la chaîne, bien sûr. Monaco PSV demain à suivre en live. Attention avec le ballon dans la surface de réparation là pour les Canets, le centre Canet. On sera finalement récupéré, dégagé par les Messins en touche. Touche à jouer pour Caen côté droit. Mais en vrai, Caen ils ont des occasions. Hein. Ils ont des occasions quand je pensais que Metz allait plus dominer, même voir maîtriser ce début de match, mais pas du tout. Hein. Caen a des petites occasions, même si là voilà, ça n'a pas débouché à une réelle frappe. Mais il y avait un espèce de cafouillage, il y a eu un centre de la part d'un Canet, la tête de Abdi qui va passer à côté des buts de Oukidja. 0-0 pour le moment entre Caen et Metz. On vient juste d'atteindre les 17 minutes de jeu. Pas de but pour le moment dans ce match. Mais honnêtement ça joue bien là. Des deux côtés ça joue très très bien. C'est un match assez disputé hein, pour le moment. Un match même très disputé pour le moment. J'ai mis les deux équipes Marc, nous met Elodie. Deux équipes Marc. Ouais, pas impossible, mais c'est toujours chaud ces prolongs, hein. Ça doit vraiment être très stressant. Quand tu paries les deux équipes marquent, ça doit être vraiment ultra stressant parce que voilà, il y en a une qui marque. Ça doit être super stressant, vraiment.
Ballon qui va être écarté à droite pour Kand dans la surface de réparation. Pour les Messins, plutôt, sera dégagé par Romain Thomas. Ballon qui va revenir dans les pieds de Mikael Brensi. Mikael Brensi pour servir Maïga. Maïga qui a tenté de donner en une touche de balle ce ballon en direction de Miko Tadze, qui était à quelques mètres de la surface canaise. Et ce sera dégagé par Kand. Coup franc à jouer pour Metz. Les Messins sur la ligne médiane avec Udol. En fait, je mets les meilleures notes ou pas, Numa Xenis. Tu fais comme tu veux, Xenis. Je sais pas si elles y seront, les notes. Je sais qu'en Ligue 2, puisque c'est la Ligue 2, voilà, malheureusement, j'ai envie de vous dire, mais bon, voilà, c'est comme ça. En Ligue 2, la Ligue 2, c'est quand même moins médiatisé que la Ligue 1 et que la Liga, la première Ligue, etc. Donc, je sais que des fois, il n'y a pas les notes. Donc, je sais, si elles y sont, je vous les montrerai, hein, les notes des joueurs, mais si elles y sont pas, bah, je pourrais pas vous les montrer. Parce que c'est sûr que c'est toujours cool, hein, de regarder les notes des joueurs. Hein, on fait ça en Ligue 1. Mais est-ce qu'en Ligue 2 elles y sont? Ouais non, probablement elles y sont pas. Pour le moment elles y sont pas, les notes. Peut-être que je regarderai plus tard parce que peut-être qu'elles y sont. Bon, de toute façon, avec la frappe, Messine qui va passer à côté des buts de Mandrea. C'est bien tenté de la part de Gay. Bon, elle a quand même. Il s'est senti pousser des ailes là, Gay. Mais bon, c'est passé largement à côté des buts de Mandrea qui a levé les bras tranquille. Le gardien canet, il savait que dans tous les cas, cette frappe n'était pas cadrée. Toujours 0-0 entre Caen et Metz pour le moment, les amis. Sortie but à jouer pour Mandrea, pour le gardien canet. Salut Toutri. J'ai mis 20€ sur Metz qui est devant dans... Attends, t'as mis 20€ sur Metz qui est devant dans la première mi-temps. J'espère que tu vas me porter chance. Bon, bah, bonne chance à toi alors. Voilà, en gros, t'as mis Metz gagne sur la première mi-temps. Du coup, ok, ouais, bah, bonne chance à toi alors. Ça va pas être facile. Il reste encore 25 minutes. Ça va, il y a le temps. J'espère que je vais te porter chance alors. Merci beaucoup, Pira. Salut mon l'homme d'orge qui nous rejoint. Abonnez-vous, il manque 19 abonnés, nouvel homme d'orge. Putain, les gars, mais c'est incroyable. Non, mais vous êtes trop chaud. Vous êtes trop chaud, les amis. Oh là 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 là, nous sommes à... Non les gars, vous êtes des cracks, vous êtes des cracks. Merci beaucoup. Salut Pibou. J'ai envie de mourir après avoir vu le score de Marseille-Reims de mettre Toutry. T'inquiète pas Toutry, les Rémois auront l'occasion de se rattraper. Ils sont pris Marseille aussi en première journée. J'ai pas envie de dire qu'il fallait rien espérer, mais voilà, Marseille restait quand même favori. Salut Luc. Non, jamais, oui, saucisse. Jamais, jamais. Je suis neutre, moi, Nolan. Je suis neutre. Allez, on va suivre le coup franc. Coup franc à jouer pour Metz, les amis. Alors qu'on s'approche des 20 minutes de jeu, on aura un beau coup franc avec Kandé qui s'est mis autour du ballon. C'est le seul Messin à s'être mis autour du ballon. Il est à 30 mètres de la surface de réparation, 25 mètres à peu près de la surface de réparation de Caen. Il va se jouer dans la surface de réparation. On a Ibrahim Magnan qui est présent. Allez, le coup franc qui va être frappé là pour Metz. Et frappé second poteau. Sera finalement dégagé par la tête d'un canet dans la surface. Metz qui va remettre le pied sur le ballon. Pour le moment, ouais, c'est vraiment disputé. Hein. Franchement, les amis, dites-moi dans le chat quelle est l'équipe que vous voyez marquer en premier. Mais c'est disputé. Hein. Franchement, bien malin celui qui serait capable de me dire voilà, quelle est l'équipe que vous voyez marquer en premier dans ce match. Ou peut-être que vous pouvez me le mettre aussi, hein, les gars, dans le chat. Si jamais vous voyez un 0-0, c'est possible. Hein. Merci beaucoup, monsieur Brave Glo, pour ton abonnement. Merci beaucoup, Keller Jérôme, pour ton abonnement. Vous êtes incroyables, les gars. Salut Inès. Bonsoir, allez les canets, 2-0 pour Caen. Mais Robert, ballon dans la surface de réparation là pour Metz. Pourquoi pas, sera dégagé par Caen qui est toujours vigilant en défense. Les canets, il laisse aucun espace avec ballon dans les pieds de Kouyaté. Kouyaté se sera écarté côté droit. Mikael Brensi pour donner ce ballon en profondeur. C'était pour Miko Tadze, mais ce sera trop long et ce sera capté par Mandrea, le gardien de Caen. Par contre, c'est très bizarre, mais j'ai l'impression que Miko Tadze, le numéro 9, mais voilà, qui a un rôle de numéro 10 derrière Ibrahim Magnan du côté de Metz. J'ai l'impression qu'il joue vraiment très haut par moment. Limite, il a la hauteur de Nian. Limite, il y a deux numéros 9 du côté de Metz. C'est assez étonnant. Mais bon, après, ça peut peut-être réussir à Metz. Hein. Je vois un 0-0, honnêtement, nous, mais Julien, c'est honnête. Parce que voilà, bien sûr que souvent nos pronos, on a tendance à. Enfin, on n'a jamais trop tendance à parier un 0-0 parce que bon, ce serait. Enfin. Voilà, ce serait un peu être pessimiste de dire 0-0, mais après voilà, faut être objectif aussi. Et tu es objectif, Julien, que tu dis un 0-0. J'espère quand même qu'il y aura des buts, mais c'est possible. On a Fortnite Pro aussi qui parie un 0-0. Dimitri qui vend 1-0 pour Caen. A ton avis, le score final c'est combien? L'homme d'orge, je reste sur mon 2-1, les gars. Je reste sur mon 2-1 pour Metz. Mais c'est pas impossible que Caen l'emporte, hein, bien évidemment.
Attention avec le ballon dans les pieds des Messins, ce sera écarté à gauche. Ouais, pratiquement tous les Messins sont dans le camp de Caen, mais là, mauvaise passe. Mauvaise passe de la part de Metz, c'était en direction de Udol. Et bon, Udol, c'est pas parce qu'il est assez grand, c'est parce que c'est pas parce qu'il n'est pas assez grand, Udol. C'est bien parce que cette passe Messi n'était vraiment pas bonne, que ce ballon va sortir en touche pour Caen. Il y aura un beau ballon écarté côté gauche là pour Caen. Ou entre temps, peut-être une belle occasion avec Abdi. Abdi qui va revenir à l'intérieur. Le centre de Abdi qui sera dégagé par la tête d'un Messin. Il y aura une touche à jouer côté gauche. Touche à jouer côté gauche là pour Caen. Salut Nazarenotti, salut les frérots. Ouais, Wyrox, ils vont 1-0 pour Caen. Il y aura 0-0 aussi, nous met Aligno. Waouh, vous êtes nombreux à Paris 0-0. Il y a des recrues qui jouent. Alors, je vais être honnête avec toi, Colin. Je connais pas toutes les recrues de Caen et de Metz. Donc voilà, du côté de Metz, par contre, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui étaient en Ligue 1 l'année dernière. Parce qu'on a commenté quand même pas mal de Metz, de matchs de Metz l'année dernière. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont restés à Metz malgré le fait que l'équipe soit descendue en Ligue 2. Après, voilà, est-ce que certaines recrues sont titulaires? Je connais pas toutes les recrues, donc je pourrais pas te le dire. Miko Tadze, c'est une nouvelle recrue, hein, je crois, du côté messin. Ouais, en provenance de quel club d'ailleurs? En provenance de Sereng, un club belge. Voilà, nouvelle recrue du côté de Metz pour pallier le départ de Boulaya. Bon, les amis, putain, on s'y rapproche. Hein, on rapproche des 18 000 abonnés, les gars. Oh là 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 là. Attention avec Metz, toujours qui fait tourner. Ce sera écarté à droite. Merci beaucoup, Enzo, pour ton abonnement. Ballon qui va être écarté côté gauche. Les Messins qui combinent bien avec Udol. Udol qui va progresser. L'appel intervention de la part Van der Merch là qui va pouvoir mettre ce ballon en touche. Il va même récupérer la touche, hein, Van der Merch, même si là ce sera de nouveau récupéré par Metz illico avec Miko Todze qui sera servi. Il va perdre encore ce ballon, Miko Todze. Il y aura une touche de nouveau pour Metz. Oh là là les amis, on s'y rapproche, c'est dingue. La vitesse ça va, vous êtes vraiment des cracks les amis. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui lâchent. On est bientôt 150 likes, j'avais pas vu. Oh là là, merci à tous pour les 150 likes qu'on vient d'atteindre à l'instant. On est à 5 abonnés des 18 000. J'ai pas l'habitude de forcer, mais là, on y est bientôt quoi, aux 18 000. Oh là là, un abonné les gars avant les 18 000 abonnés avec le dégagement du gardien de Caen. Mandrea, pas au pied. Mandrea, le gros tacle là. Oula, on a un canet qui vient de se faire faucher. L'arbitre qui va s'y aller à coup franc. On vient de dépasser les 18 000 abonnés, les amis. Oh là 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 là, 18 000 abonnés. Alors que avant-hier, on a passé les 17 000. On est déjà à 18 000. Merci les gars, des gros GG dans le chat. Oh là 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 là, merci les amis, merci beaucoup. Vous êtes incroyables, merci beaucoup. J'ai une pluie de GG dans le chat. Vous pouvez vous applaudir, vous pouvez vous mettre de gros GG les amis. Vous êtes vraiment incroyables. Merci à tous les gars. Alors que là on revoit le très gros tac de la part d'un Messin sur un canet. L'arbitre a d'ailleurs signalé carton jaune. Hein. L'arbitre a d'ailleurs sorti le carton jaune. Carton jaune pour Candé, le défenseur de Metz. Carton jaune pour Candé. Pour un, voilà, un croche-pied, il met de croche-pied, mais c'est même un. Un gros tacle, hein, il l'a fauché, clairement, il s'est fait faucher le canet. Allez, il y aura beaucoup de francs à jouer là pour Cannes. Merci les gars, merci pour les 18 000. Oh là 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 là. S'il te plaît, les modos, bannez-moi. Pourquoi Seb? Pourquoi je devrais te bannir si tu n'as rien fait? C'est assez original, hein, quelqu'un qui demande d'être banni. Allez, il y aura l'arbitre qui va aller mettre un carton jaune. Voilà, pour le moment, le jeu est toujours arrêté. Puis le moment où on a passé les 18 000, le jeu s'est arrêté. C'est parfait, comme ça, je peux vous remercier. Merci les amis, merci beaucoup. Toi, nous, pour ton abonnement. Mais voilà, le jeu s'est arrêté parce qu'il y a eu une grosse faute de la part d'un Messin qui a été signalé. Et en plus de ça, l'arbitre va mettre le carton à Laszlo Polony, le coach de Metz qui a râlé. Hein, donc, ça fait carton. Salut Faustin. Et le coup franc qui va être frappé du coup, pour les Canets. Il y a du monde, hein, c'est vrai qu'il y a vraiment du monde au stade ce soir là pour assister à ce camp Metz. Allez, on va assister au coup franc. Beaucoup franc à jouer pour Caen. Il est excentré. Il est encore très très excentré. Il va se jouer dans la surface de réparation là pour les Canets. Pourquoi pas aller chercher l'ouverture de score. On est à 4 minutes de la demi-heure de jeu. Toujours 0-0 entre Caen et Metz. Allez, ce coup franc qui va être frappé. C'est frappé par Brahimi dans la surface de réparation. C'est très bien frappé. Ce sera dégagé finalement par la tête d'un Messin. Les Messins qui vont pouvoir peut-être partir en contre avec Ibrahim Agnan. Allez, là, faut aller vite pour Metz. Ce sera écarté côté gauche. Les Canets qui tardent un petit peu à revenir. Ouais, non, ils sont pas allés très très vite. Hein. Ils sont pas allés assez vite en tout cas, les Messins. Bon, c'est pas encore terminé encore ce contre. Et si ce sera fini, ce sera fini. Ce sera récupéré par Caen. Merci les gars pour les 18 000. On a Estante qui met plein de GG. Michou Pignan qui met plein de GG. On a Fortnite Pro aussi, Sergio. Salut Laguez! Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'arriver. Salut mon Laguez, salut mon frérot.
Et vous êtes très nombreux à vous mettre des GG, les amis. On a Damien aussi qui met les GG. Finesse, vous êtes vraiment incroyable. Vous êtes vraiment incroyable. Attention avec les Messins qui sont encore une fois. Ouais, vraiment, on a beaucoup, beaucoup de phases de jeu où Metz, ils font tourner ce ballon à 20-30 mètres de la surface de réparation de Caen. Mais même lorsque Metz a le ballon dans le camp de Caen, j'ai pas fait exprès, mais il faut le dire comme ça. Les Canets qui ont un bloc assez haut, donc c'est compliqué pour les Messins. Oh, le carton jaune. Encore un carton jaune pour Metz. Attention, ça commence à distribuer cette fois-ci. C'est Maïga qui écope d'un carton jaune. Oh, merci beaucoup, Gaël. Encore un don de 5 francs suisses de la part de Gaël. Non, Gaël, c'est trop. Gaël, c'est trop. Merci beaucoup, Gaël. D'ailleurs, Gaël, je vais te montrer un petit truc, Gaël. Gros GG, les amis, à Gaël. Gros GG à Gaël, encore une fois. Oh là 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 là. Gaël, mon frérot, regarde. Attends. Il est là, Gaël. Il est là. Attendez, tiens. Merci Gaël, merci beaucoup Gaël pour ton don encore. Oh, c'est énorme. Gaël nous a mis 18 000 abonnés. Gaël qui fait ce don de 5 francs pour péter les 18 000. Merci beaucoup Gaël. Les amis, vous voulez qu'il m'arrive quelque chose ou quoi ce soir, les gars? C'est incroyable. Oh là 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 là. Allez, attention avec encore un canet à terre, hein, du coup là sur cette faute de Maïga. Je vous ai signalé le carton jaune, mais c'est vrai que la faute était quand même assez voilà, elle était quand même, il a mis beaucoup d'agressivité, on va dire, Maïga, et donc le canet est toujours à terre. Ouais, le carton hein, qui a bien été donné à Maïgas. Allez, le canet qui se relève. Il a mis du temps à se relever. Hein, chaque carton, ça met du temps. Merci beaucoup, The Cap, pour ton abonnement. Oh, après le don de 5 francs suisses de Gaël, c'est William qui vient faire un don de 20 euros. Merci beaucoup, William. Oh là là, merci beaucoup, William Capello, pour ton abonnement. 18K, bravo. Allez, Caen, nous met William. Merci, William. Supporter de Caen, du coup, William. Oh là 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 là, merci beaucoup William. Des gros GG les amis, des gros GG dans le chat après Gaël. Des gros GG pour William les gars. Punaise, mais c'est quoi cette soirée encore de fou? Punaise, ça suffisait pas le week-end de malade qu'on avait passé les gars. Merci beaucoup William, merci beaucoup. Attention mec, le ballon là pourquoi pas par-dessus, ce sera finalement dégagé par la tête d'un canet. Le jeu qui a repris, du coup, on se dirige vers la demi-heure de jeu entre Caen et Metz. Toujours 0-0 pour le moment entre les canets et les Messins. Il y aura un ballon qui va sortir côté droit pour Metz, proche du poteau de corner. Hein, proche du poteau de corner de la part de Caen, il y aura peut-être une occasion à jouer pour Metz. C'est Samba du Brésil, nous met Xenis. C'est n'importe quoi, les amis. Merci beaucoup, William. Tu payes combien par mois les chaînes pour regarder? Oh, aucune idée, la game, aucune idée. Attention, la reprise de relais là, pourquoi pas pour les Canets, non pour les Messins, il y aura un compte à jouer là pour Caen. Bon ballon côté droit là, pourquoi pas pour Caen, ce sera dégagé par Mandrea, par Oukidja plutôt. Oh là là, ça, il y a vraiment beaucoup d'intensité dans ce match, ça va d'un but à l'autre. Mais ce sera finalement récupéré par Metz qui va pouvoir partir à son tour en contre, pourquoi pas. Non, en fait, pour t'expliquer, Damien, pourquoi est-ce que j'ai montré le ventilateur à Gaël, c'est parce que Gaël, il avait fait un don il y a quelques temps de 30 francs suisses, un don de fou parmi tant les dons de fou de Gaël. Et il avait mis en phrase, parce que j'avais très chaud à un moment sur un live, et Gaël, il avait fait un don, il avait mis, tiens, je te sponsorise le ventilateur. Et il est là, il est arrivé le ventilateur, c'est pour ça que je l'ai montré. Allez, attention avec le ballon encore une fois à droite pour Metz. Là, on aura Metz 1 qui va s'écrouler. Cette fois-ci, l'arbitre ne signale pas de faute. Et c'est l'arbitre qui va signaler la faute finalement à côté droit. C'était sous les yeux de Moulin, le coach de Caen, qui s'est pas gêné d'ailleurs de le faire savoir. Et il y aura du coup un beau coup franc à jouer pour Metz à droite. Pourquoi pas là aussi balancer dans la surface de réparation. Oh là 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 les amis, 50 euros don de la part de William. Moi je dirais 2-0 pour Caen. William qui nous remet son prolo, du coup qui pronostique un 2-0 pour les Canets. J'espère pour toi que ton prolo va se réaliser, mon William. En tout cas, merci beaucoup pour ton don de 50 euros. Mais what? Oh là 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 là. Après Gaël, c'est William. Non mais les amis. Quoi? Mais non mais les gars. Gros GG, grand merci William. Oh, votre soutien de ouf les amis, merci à tous pour votre soutien. C'est encore un énorme merci William, énorme GG. Merci beaucoup mon William. Ballon écarté à gauche là pour Metz. On va quand même continuer de suivre le match. Mais vous êtes clairement des cracks les amis. Metz qui va pouvoir revenir derrière. Allez, ça fait tourner. Merci beaucoup William. Oh, wow, mais les mecs. Oh, il faut
Oh là là, merci, merci à tous. Thomas pour revenir avec Mandrea, le long dégagement de Mandrea. Allez, ce sera pourquoi pas sur la tête de Maïga, la tête de Maïga. Finesse les gars, vous êtes incroyables. Merci beaucoup William. Les amis, je veux vraiment une pluie de GG hein, pour William et pour Gaël bien sûr dans le chat. Grosse pluie de GG les amis dans le chat. Grosse pluie de GG. Oh, on est bientôt 200 likes en plus. Finesse les gars, vous êtes vraiment incroyables. Oh là 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 là, allez avec les Messins là qui font tourner probablement dans leur camp pour toi qui va gagner ce soir. Moi je suis désolé supporter Canet, je suis désolé William, mais je reste sur mon prono de début live qui était de 2-1 pour Metz, même si pour le moment c'est un match très disputé et en vrai Caen peut avoir ses chances. Caen peut avoir ses chances puisque en vrai voilà, je m'attendais à avoir un match beaucoup plus dominé par Metz, au final c'est pas le cas, donc voilà, Caen peut-être s'imposer hein, ce soir honnêtement. Merci beaucoup William. William qui achète la clim de Metz, Damien. Non, c'est vraiment énorme. Merci encore à Gaël aussi, hein, parce que Gaël c'est aussi un énorme crack. Et merci beaucoup William. Attention avec les Canets qui ont toujours le ballon. Ballon qui va pouvoir peut-être écarter à gauche. Non, ils vont revenir derrière finalement les Canets. Il y aura peut-être une occasion. Le centre à jouer. Merci à vous les gars. Mais William, merci beaucoup William. Merci beaucoup, finesse. Oh, c'est fou. Non, c'est fou, c'est fou. Je vous montre le chat les amis, mais bon, vous êtes vraiment des... Oh, non, non. Allez, on se concentre sur le match parce qu'on est quand même là pour vivre un match. Mais vraiment, merci encore à William, merci encore à Gaël, merci aussi à tous d'être juste sur live. C'est juste un truc de fou, les amis. Je pensais pas. Vous êtes 276 à suivre ce très beau camp Metz pour le moment. Même si à 0-0, il y a de l'intensité au moins. Et on aime ça, même si on aimerait bien évidemment un but avant la mi-temps. Pourquoi pas? Et pourquoi pas sur cette action là pour les Canets avec un bon ballon côté gauche. Ce sera en direction de Abdi. Abdi qui va pouvoir centrer le centre de Abdi, second poteau. Ce sera long et ça va sortir en sortie de but à jouer pour Okidja. Renvoi à 5m50 à jouer pour Metz. Une soirée de folie nommée Fortnite Pro. Je vois encore plein de GG. Je vois encore plein de GG. Par contre, Bibou depuis tout à l'heure, je sais pas ce qui se passe avec Exo, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Calmez-vous les gars dans le chat. On veut pas d'embrouille. Bonsoir Wari. Merci beaucoup William encore. Oh là là là. Jamais j'essaie de lire un max de votre chat, mais vous êtes très chaud. Oh. Salut Antoine, allez avec les Messins qui ont le ballon, on est à la 34ème minute de jeu, on s'approche de la mi-temps, 10 minutes avant la mi-temps, je rappelle hein, la mi-temps, comme d'habitude, il y aura le jeu de la mi-temps, bien sûr les amis, sachant que c'est une nouvelle semaine, le jeu de la mi-temps recommence à zéro les amis. Allez Malherbe nous met béni, attention, avec une occasion là pour les Messins, la frappe, Messine qui va passer au-dessus, début de Mandrea, il a tenté encore une fois Gay, hein, l'ailier gauche de Metz, on peut pas lui reprocher une chose, c'est qu'il tente, hein. Il tente beaucoup, ça doit faire, regardez, je vais vous montrer les statistiques rapidement les amis, il y a 4 tirs à 3 pour Metz, sur les 3 tirs de Metz, il y en a au moins 2 que c'est Gay qui a frappé, parce que franchement il tente beaucoup, comparé par exemple à un Mikotadze qui, voilà, qui même s'il est à quelques mètres de la surface de réparation, il tente toujours de passer, mais voilà, non, Gay il se pose pas de questions, il frappe. En vrai c'est bien, mais bon, faut quand même essayer de rectifier un petit peu le tir parce que là ça fait deux frappes mais toujours aucune cadrée hein, pour Gay. Ouais, il en a dû en mettre une cadrée hein, parce qu'il y a eu trois tirs de cadrée pour Metz, donc il en a quand même dû mettre une frappe cadrée. Ah oui, ouais, c'était tout à l'heure, je crois que c'était même sur une tête pour Gay. Allez, quand on nous met mis 2-1 pour quand on nous met Niels. Bon, merci William, merci Gaël encore. Alors que là il y a une faute d'un Canet sur un Messin, faute de la part de Daubin sur un Messin là. Oula, ouais, c'est vrai que ouah, ça s'énerve un petit peu là sur la pelouse du stade Malherbe de Caen, alors que l'arbitre du coup va essayer de calmer un petit peu tout ça. Ça y est, on entre dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire entre Caen et Metz, toujours 0-0. Hop. Hop. Allez, il y aura une touche. Salut Christophe, salut mon Christophe, ça va très bien Christophe, bienvenue. J'espère que tu vas bien Christophe. Allez, la touche qui va être jouée. Touche qui va être jouée là pour les Canets dans leur camp, qui vont pouvoir dégager avec Romain Thomas. Ballon sur la ligne médiane qui sera récupéré par Metz. Attention parce que ça peut aller vite, pourquoi pas. Et non, malheureusement ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. On aura un ballon qui va être récupéré là par les Canets à droite, qui s'approche de la surface de réparation de Metz. Il attend du soutien là, le Canet qui va pouvoir servir, pourquoi pas Daubin. Daubin qui va perdre le ballon. Peut-être qu'il y aura un contre à jouer là pour Metz. Avec Mikotadze pour Savernian. Maïga. Maïga, il y a du soutien à gauche. Faut donner pour Maïga. Ah, encore une mauvaise passe de la part de Maïga. C'est pas la première de la part de Maïga. Salut Yanis.
mauvaise passe encore. Ouais, je vais très bien, merci beaucoup. Tant mieux si tout va bien. Avec le ballon dans les pieds de Caen encore. Ouais, statistique 58% à 42 la possession pour Metz. 4 tirs à 4 pour Metz, 2 tirs cadrés à 1 pour Metz. Les statistiques sont légèrement en faveur de Metz. Mais c'est serré, hein. Honnêtement, au niveau des stats, c'est serré. Et au niveau du jeu aussi, attention avec la frappe canaise. Oh, le ballon qui va être dégagé en corner là pour Caen. C'est la plus grosse occasion du match là pour les Canais avec le beau débordement côté gauche de la part de Abdi. Abdi qui est passé trop facilement là devant le défenseur Messin. Il a armé une frappe qui a été contrée et dégagée là par les Messins en corner. Corner à jouer pour Caen, le premier corner du match hein, pour les Canais. Mais belle occasion en tout cas pour Caen qui a failli ouvrir le score. Salut mon Théo. Salut Théo. Oh là là, mais là ouais, Caen honnêtement chez eux on sent que les supporters les aident. Mais là il faut concrétiser ça par une ouverture de score parce que Caen est dans un temps fort. Hein. Les Canets sont dans un temps fort avec un corner à jouer pour Caen avec Brahimi au corner. Allez Brahimi au corner, Brahimi qui va pouvoir frapper ce corner, second poteau, la tête de la part d'un Canet, la tête de nouveau, la tête. Et le voilà. Le voilà, le premier but de ce match a fait 1-0 pour Caen, la 38e minute de jeu. Et c'est servi, et c'est signé Gianni. Gianni dans la surface de réparation qui vient ouvrir le score d'une magnifique tête. J'ai rien compris à ce qui s'est passé dans la surface de réparation. Il y a eu une première tête, second poteau, une deuxième tête de la part d'un Canet, puis une troisième tête et c'est Gianni le troisième et c'est lui qui permet à Caen d'ouvrir le score et de concrétiser ce très très beau temps fort. Ils étaient vraiment dans un temps fort les Canets et ils ouvrent le score, 38e minute de jeu, 1-0 pour Caen. Était signé Gianni le milieu de terrain Canet. Oh voilà, ouais, il y a une tête de Romain Thomas second poteau, une tête de la part d'un autre Canet qui arrive du coup sur la tête de Gianni et ça fait but. C'est vraiment insolite là ce qui vient de se passer sur ce corner. Oh là 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 les amis. C'était bien tiré, hein, c'était bien frappé ce corner. Tête de Thomas qui vient mettre lui-même sur la tête d'un autre Canet. L'autre Canet vient dévier ce ballon sur la tête de Gianni. Et Gianni qui cette fois-ci ne va pas donner un autre de ses coéquipiers mais qui préfère le pousser au fond des filets. C'est plus simple comme ça. Et ça fait 1-0 pour Caen. 1-0 pour Caen. 1-0 pour les Canets alors que je vous mets du coup le buteur qui est donc Gianni les amis. Gianni. Qui ouvre le score? Alors Gianni qui ouvre le score à la 38e minute de jeu. Gianni 38e minute de jeu, ça fait 1-0 pour Caen. Gianni sur ce corner. Et du coup voilà, Gianni 1-0 pour les Canets, 38e minute de jeu. Vive le stade Malherbe de Caen et vive William nommé AS Nanteuil. Goal, 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 nous met Théo. Vous êtes très nombreux, ah ouais, vous êtes plus nombreux d'ailleurs au duel des fans de 1%. Et il se joue à rien le duel des fans. Vous êtes plus nombreux à être Canet et Caen quand du coup qui ouvre le score. Oh merci beaucoup Gaël. Encore un don de la part de Gaël, les amis, des gros GG. Toujours pour Gaël. De toute façon maintenant j'ai même plus besoin de le dire, des gros GG, donc vous en avez l'habitude les gars. Oh mais festival de Gaël, festival de William et pour le moment, festival de. Enfin pas festival, mais en tout cas ouverture de score de Caen. C'est signé Gianni alors qu'on vient de voir à l'instant une petite occasion pour les Canets et une belle sortie de la part de Mandrea qui va mettre ce ballon en corner. Corner à jouer cette fois-ci, ce sera pour Metz. Corner à jouer cette fois-ci, ce sera pour Metz. Pourquoi pas pour aller chercher l'égalisation. En tout cas, on a le gardien Canet qui est à terre parce que du coup, il s'est pris la frappe en pleine tête. Il a dévié en corner, mais il s'est pris en pleine tête. Le jeu pour le moment qui est arrêté. Oh, merci beaucoup encore Gaël. Hein. Après William, merci Gaël. Gaël qui nous a mis et c'est l'ouverture du score. Goal pour Gaël avec bien évidemment les 10 000 emojis qui vont bien avec. Merci beaucoup Gaël encore une fois. Oh là 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 là. Merci Gaël, merci Gaël. Oh là 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 les amis. Moi ça me va, si Metz va être très loin au classement de mes Fortnite Pro. Du coup on l'avoue qu'au classement Caen rejoint Guingamp avec les 6 points. Après pour un supporter bordelais Fortnite Pro il vaut mieux un match nul en vrai ce soir. Ouais je vois des goals dans le chat. Salut Aligno. Le match est sur Beansport 1 les amis avec le corner à jouer. Corner à jouer pour Metz à côté gauche. Et ça y est le gardien Canet s'est relevé. Il va pouvoir être opérationnel pour ce corner. Et peut-être qu'il va avoir un rôle à jouer hein. Il ne reste plus que 4 minutes dans le temps réglementaire. Le corner Metz 5 qui va être frappé. Non il est mal frappé. Il est mal frappé. Il était frappé beaucoup trop au premier poteau. Ce sera dégagé en touche par Canet. Touche à jouer la côté gauche pour Metz. Salut Artex qui nous met allez Malherbe. Plus qu'un but et mon pari, les deux équipes marquent passent. C'est vrai Elodie. Hein. Plus qu'un but du coup Messin.
Et c'est vrai que voilà, en vrai, pour ton pari, c'est pas mal le scénario, Elodie. Metz qui, à la base, est quand même favori. Mais bon, après, les Canets sont quand même solides aujourd'hui. Hein. Ça va être compliqué pour aller marquer, pour aller égaliser du côté messin. Mais en tout cas, c'est possible pour... C'est possible pour les Messins d'aller chercher l'égalisation. Et pourquoi pas avant la fin de la première mi-temps. Ballon qui va être dégagé par Mandria. Ballon qui va sortir en touche. Ballon qui va sortir en touche côté droit. Ouais, ballon écarté à droite encore une fois avec Van der Merch du côté de Jalot, du côté de Metz là, qui va pouvoir progresser côté droit. Et malheureusement l'arbitre pour Metz qui va signaler un coup franc pour camp dans leur camp. J'ai du mal à parler les amis. Allez, il y aura un coup franc dans le camp des Canets pour voilà, déjà ils vont gagner du temps, hein. Ils gagnent un petit peu de temps bien évidemment les Canets. Hop là. Allez, le coup franc qui va être frappé. Le coup franc qui va être frappé du côté de Caen. Ce sera directement récupéré par Metz. Et les Messins qui vont d'ailleurs directement obtenir un nouveau coup franc dans le camp de Caen. Mais voilà, c'est dans le rond central. Donc c'est quand même assez loin des débuts de la surface de réparation. C'est Ibrahim Magnan qui s'écroule. Il y a une faute et l'arbitre qui n'a pas sorti jaune. Hein. C'est vrai qu'il y a eu deux jaunes du côté de Metz, mais il n'a pas sorti de carton jaune pour aucun joueur de Caen, monsieur l'arbitre, pour le moment. Alors qu'on aura un ballon qui va être récupéré du coup par les Messins, puisque ce coup franc ils vont le jouer derrière. Il reste plus que 1 minute 30 à jouer entre Caen et Metz. Salut Zinedine. Tous les parieurs misés sur le match nul, nommé Carlos. La cote du match nul, les amis, elle est à 4 actuellement. Bon, après, je vous incite à parier nul, parce qu'on sait que les paris, les gars, c'est. Il y a quand même peu de chances de gagner. Hein. C'est toujours compliqué, hein, les paris sportifs. Donc faites attention quand même avec un ballon sur la tête de Ibrahim Agnan. Agnan qui va pouvoir revenir derrière. Ce sera écarté à droite. Les Nyan encore. Nyan qui va pouvoir écarter côté gauche. Les Messins qui sont à l'attaque. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Le centre de Metz. La tête second poteau peut-être. Ce sera finalement dégagé là par Romain Thomas. C'est pas totalement dégagé. Il y aura une deuxième chance. Cette fois-ci, ce sera réellement dégagé par les Canets. Et non, même pas. Ça revient aux abords de la surface de réparation de Caen. Non, c'est bon. Cette fois-ci, c'est réellement dégagé. Ouais, j'ai vu Yanis. J'ai vu. Salut patient Itulan Nia. Merci beaucoup pour ton message encore. Prétendons à la montée Bordeaux, Metz, Saint-Etienne, Guingamp, Caen, Dijon, Nîmes et Paris FC nous met d'Hydrox. Après, en vrai, voilà, là on se base sur la renommée des clubs, sur le mercato et tout, mais je pense lorsqu'on verra vraiment les prétendants à la montée, à partir de la cinquième journée de Ligue 2, à la fin de la cinquième journée de Ligue 2, on pourra vraiment avoir un vrai avis, je pense. Attention avec un ballon côté droit là pour les Messins, le centre Messin. La reprise de volée Messine. Oh, ce sera dégagé par Romain Thomas, c'est pas encore terminé. Et si ce sera dégagé finalement par Caen alors qu'on rentre dans le temps additionnel. On rentre dans le temps additionnel, les amis. Bonsoir Silex. Je suis notre moi d'Hydrox. Salut Niels. Allez les amis, le temps additionnel qui vient de commencer entre Caen et Metz. Je vous dirai lorsque j'aurai l'information combien est-ce qu'il y a de temps additionnel. Après, le jeu n'a pas été très souvent arrêté, hein. Ça m'étonnerait pas honnêtement que l'arbitre siffle la mi-temps tout de suite. Ah si, 3 minutes quand même, hein. 3 minutes de temps additionnel les gars, 3 minutes de temps additionnel les gars entre Caen et Metz. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même eu des blessés, les joueurs sont restés assez longtemps à terre. 3 minutes de temps additionnel, je vous mets directement le temps additionnel les gars. 3 minutes de temps additionnel entre Caen et Metz, il est ici. Salut Com. Salut Maxder. Alors. Les temps additionnels, ils sont de plus en plus longs, nous met Aligno. En vrai, j'ai l'impression que ça dépend quand même pas mal de l'arbitre. Bon, ça dépend du match, hein, bien sûr, mais ça dépend pas mal des fois de l'arbitre, enfin surtout du quatrième arbitre. Mais c'est vrai que là, j'aurais peut-être plus dit une ou deux minutes. 3 c'est long, mais bon, en vrai, tant mieux pour nous, hein. On voit plus de football. Attention avec le ballon dans l'épée des Messins pour Ibrahim Agnan. Nyan qui va perdre le ballon, sera récupéré par Caen côté gauche. Les Canets qui vont pouvoir progresser, sera finalement récupéré par Maïga. Salut Younes, merci beaucoup pour ton like Silex. Ce sera quoi les modifications listées? Ah oui, d'ailleurs, vous avez vu, j'ai modifié un petit peu les médias, les miniatures. Est-ce que vous aimez bien? Bon, c'est pas une très grosse modification. Peut-être qu'il y aura d'autres modifications dans les miniatures qui vont arriver les amis, mais voilà, je vais modifier les minias je pense les jours à venir. Et je vais peut-être faire quelques modifs sur l'interface aussi les gars. Mais ce sera juste des modifs graphiques, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de. Voilà, je vais pas enlever le classement, les choses comme ça. Ce sera juste par exemple le score, peut-être qu'il y aura
un autre aspect, on va dire, mais voilà, il y aura juste des petites modifs, pas rien de bien méchant. Attends-toi avec le ballon qui va sortir en sortie but là pour Caen, 1-0 pour Metz, 1-0 pour Caen, toujours 1 minute 40 que l'on joue dans ce temps additionnel. Les amis, préparez vos analyses, hein. Préparez vos analyses, vos débriefs dans le chat, et je les lirai à la mi-temps. J'essaie de lire un maximum de vos messages, en même temps j'essaie de commenter, c'est un peu compliqué, mais en tout cas voilà, je regarde, certains ont des pronos à mettre, etc. Apparemment si Metz Attends, j'ai pas compris la suite de ton message de Fortnite Pro. J'ai pas compris. ASH va jouer le maintien. Les amis, ça fait que deux matchs. On peut pas. Enfin, après, voilà, chacun son avis là-dessus. Mais pour moi, je pense qu'on peut pas trop dire telle équipe va jouer le maintien. Et de la même sorte qu'on peut pas dire telle équipe va jouer la montée. Alors, ça fait que deux journées. Alors, si, à la limite, on peut le dire. Mais alors, enfin, j'en vois certains qui disent Saint-Etienne va être en national comme si c'était sûr. Alors que ça fait seulement deux matchs qu'ils jouent. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, Saint-Etienne, au niveau des points, ils sont derniers puisqu'ils ont moins 2, je rappelle. Mais au niveau du jeu, parce que voilà, je rappelle qu'ils ont eu un malus de moins 3 à cause des supporters. Si jamais ils n'avaient pas eu ce malus-là, les Stéphanois, si on regarde le classement, je prends l'exemple de Saint-Etienne, hein, les gars, mais si on regarde le classement, les Stéphanois, ils pourraient être à la 13e place si jamais ils n'avaient pas eu ce malus, puisqu'ils ont fait un match nul et une défaite. Donc en vrai, d'un point de vue jeu, ils sont pas largués. Au niveau des points, ils semblent un petit peu largués parce qu'ils ont eu le malus. Mais au niveau du jeu, c'était quand même assez bien ce que nous ont produit face à Nîmes. Donc c'est un peu compliqué, un peu dur pour eux, on va dire, de dire ça, les gars. Salut Xenis, salut Liliaco, alors que c'est la mi-temps. À l'instant, les amis, c'est la mi-temps entre Caen et Metz. 1-0 pour les Canets grâce à l'ouverture de score sur corner de cet homme-là, Gianni. Voilà, un corner frappé de la gauche du côté Canet. Ça a été repris par la tête de Romain Thomas. Ça a été de nouveau repris par un autre Canet, puis par Gianni qui a mis cette tête et donc qui permet aux Canets de mener 1-0 à la mi-temps. On va donc passer au jeu de la mi-temps. Et comme je vous l'ai dit, hein, les gars, n'hésitez surtout pas à me mettre vos analyses, vos débriefs, mais vous mettrez tout ça une fois qu'on aura terminé le jeu de la mi-temps, puisque là voilà, on va faire le jeu de la mi-temps comme d'habitude, et ensuite on parlera de cette première mi-temps. Allez les gars, passons au jeu de la mi-temps les amis. Je rappelle, je vais vous poser 3 questions sur Caen et sur Metz. Le but est de me répondre le plus rapidement possible aux questions. Le premier gagne 3 points, le deuxième gagne 2 points et le troisième gagne 1 point dans le chat. Les gars, êtes-vous prêts? J'attends vos prêts dans le chat. Et d'ailleurs le classement, je le rappelle, hein, qui est du coup remis à 0 puisque c'est une nouvelle semaine et qu'on remet le classement à 0 chaque début de semaine. Aligno était le vainqueur la semaine dernière. Et là les amis, il y aura une très grosse semaine, hein. Live ce soir, demain soir on fera Monaco PSV sur la chaîne. Mercredi on fera Real Francfort. Jeudi je crois que c'est le seul jour où il n'y aura pas de match, donc pas de live. Vendredi on redémarrera la Ligue 1, il y aura un week-end de fou de Ligue 1 encore. Donc il y aura quand même beaucoup des matchs, donc beaucoup de jeux de la mi-temps. Allez, je vois Fortnite Pro qui est prêt, je vois Hooper qui est prêt, on a Nathan qui est prêt, prêt pour Wyrox, prêt pour Psycho, salut Psycho Z. Attendez, il y en a vraiment qui sont en train de pré-shot les questions. Oh les amis, je vous ai vu là, hein, Didrox, Psycho là qui essaye de pré-shot les questions, ils me mettent le nom du stade de Caen, mais je vous ai peut-être pas, enfin peut-être que je voulais demander, mais. Mars, ah oui, mais Mars! Oh je suis débile, mais vous voyez quand je vous dis que des fois je suis vraiment débile, je vous mets la question, je vais en faire une autre les amis, désolé, elle compte pas cette question, je vais en faire une autre. Et moi qui croyais que vous étiez en train de pré-shot les questions, oh là 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 là, mais je suis vraiment perché des fois. Oh là là. Allez les gars, j'en referai la troisième. On n'a rien vu, première question, vous êtes prêts, c'est parti. On va lancer la première question les gars, c'est parti, première question du jeu de la mi-temps. Je suis vraiment perché des fois. Allez, première question du jeu de la mi-temps les gars. On n'a rien vu, ça n'a rien passé. Première question, 3. Elle va s'afficher là, par contre celle-ci, elle est officielle cette question. 3, 2 et 1 point à gagner les gars. Et moi qui étais en train de dire vous pré-shot les questions, non je suis juste débile. Allez c'est parti, 3, 2, 1. Première question les amis, quand a commencé la saison, sur quel score? Autrement dit, quel a été le score de Caen Nîmes lors de la première journée de Ligue 2? Allez-y les gars dans le chat, j'attends vos réponses. Cette question, par contre, vous pouvez vraiment mettre votre réponse. Allez, je vais modifier la question 3 du coup. Désolé les amis pour ceux qui avaient la bonne réponse du coup de quel est le nom du stade de Caen. Mais en fait, j'avais oublié de l'enlever, punaise. Allez, je vais changer la question 3 du coup. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre une question un peu compliquée les amis. Voilà, j'ai changé la question 3. Hop.
En vrai, elle va être compliquée, hein. Elle va être quand même assez compliquée la question 3, mais bon. Et je suis vraiment. Allez, on va regarder vos réponses. On va regarder vos réponses du coup, les amis. Bravo à ceux qui m'ont mis 1-0. Fallait me mettre 1 à 0, les gars. Félicitations à ceux qui m'ont mis 1-0. Alors, bravo à PsychoZ qui répond juste le premier. Vous foutez de moi en plus dans le chat, hein. Je les vois, les emojis qui rigolent là. Vous foutez de moi comme il faut. Hein. Allez, bravo, Psycho. Non, mais vraiment, il faut le faire ça. Mais en fait, parce que ouais, j'ai oublié de programmer un truc. Normalement, dans les anciennes interfaces, j'avais programmé un truc pour être sûr, justement, pour pas avoir ce problème. Comme quoi, quand je passais sur l'interface jeu de la mi-temps, toutes les questions se masquaient. Et puisque ça fait pas longtemps que j'ai terminé les interfaces, il y a encore des petits trucs qu'il faut que je mette à jour. Et ça fait partie des trucs que je dois mettre à jour. J'essaierai de le faire dans les prochains jours. Bravo à Psycho qui gagne 3 points. Bravo à CLMNT. Peut-être qu'il s'appelle Clément, je sais pas. En tout cas, qui gagne 1-0. Bravo à toi si jamais tu t'appelles Clément. Bravo à toi quand même. Du coup, je vais noter ton pseudo, hein, CLMNT. Même si je pense. Ouais, c'est un peu compliqué à prononcer, je préfère dire les lettres. Et bravo à Oui, Radio FC Banger qui met 1 à 0. Bravo à Oui. Très long ton pseudo là aussi. Hein. Je vais mettre Radio FC B. Passons à la deuxième question, les amis du jeu de la mi-temps. Voici du coup le classement. Voici du coup le classement de ce jeu de la mi-temps. Psycho qui a 3 points, CLMT qui en a 2 et Oui qui en a 1. Deuxième question du jeu de la mi-temps, les gars, c'est parti. Encore un énorme merci à William et à Gaël pour leurs énormes dons. Merci beaucoup. Hein. Encore un énorme merci pour votre soutien durant toute cette première période. Vous êtes vraiment des cracks, les gars. On va du coup passer à la deuxième question. On va passer à la deuxième question du jeu de la mi-temps. Celle-ci, elle a concerné quand la deuxième va concerner du coup les Messins. Merci beaucoup, Naël, pour ton abonnement. C'est parti. 3, 2, 1. Deuxième question, qui est le prochain adversaire de Metz? Je vous ai demandé le score du dernier match de Caen. Maintenant, je vous demande le prochain adversaire de Metz. Allez-y, les gars, dans le chat. Salut, Tesso Manu. Tesso Manu. Désolé pour la prononciation. Calme-toi, mon frérot. C'est bon, t'inquiète. Salut, Anthony. Je l'ai envoyé avant, regarde bien. Ah, d'accord, ok, je comprends du coup pourquoi tu m'insultes. Enfin bon, c'est pas une raison quand même, hein, mais non, les amis, si jamais vous voyez par exemple premier, je le répète, c'est important, hein, mais si vous voyez premier, c'est moi, je peux vous voir 6 ou 7ème en fait, les gars, c'est en fonction du chat YouTube. Mais si vous réactualisez le chat, vous verrez qu'en fait, vous n'êtes pas premier en réalité. C'est voilà, c'est le chat YouTube, voilà, c'est le streaming, hein, lorsque les chats, on sait que c'est un peu compliqué. Ça peut paraître injuste, mais en réalité, il est possible que vous voyez premier alors qu'en fait, c'est pas le cas, les gars. Voilà. Je suis neutre, Naël. C'est ça. Ah, donc du coup, c'est bien Clément. Bon, je laisse ton pseudo, du coup, Clément. Allez, regardons vos réponses. Salut, Daniel. Allez, on va regarder vos réponses, les gars. On va regarder vos réponses, du coup. Bravo à tous ceux. Bah, regardez, on va regarder la réponse ensemble, les gars. On va regarder la réponse ensemble. Oh, punaise, il y a ça aussi. Oh là là, encore un bug. Encore. Ça fait. Il faut que je règle celui-là. En plus, j'avais dit que je le réglais hier. J'ai pas eu le temps. Il faut que je règle ce problème d'animation. On va regarder la réponse ensemble, les amis. Le prochain adversaire de Metz, c'est roulement de tambour. Hop là, on va passer sur la troisième journée. C'est Valenciennes. Fallait me mettre Valenciennes, les gars, dans le chat. Félicitations à tous ceux qui m'ont mis Valenciennes. Comme ça, vous pouvez regarder aussi la journée 3. Hein. En attendant, bravo à ceux qui m'ont mis Valenciennes. Et donc, c'est Train Kev qui a la bonne réponse. Bravo à toi. Avec un écusson de Marseille, un photo de profil, sûrement supporter marseillais. Bravo frérot, tac. Ça te fait 3 points. Bravo à Ramtim en deuxième position. Et bravo à AS Nanteuil en troisième position. Juste devant Radia qui nous avait mis Val. Bon les amis, quand je vous demande ce genre de questions là, essayez quand même de mettre voilà, Val, j'aurais peut-être pas accepté si jamais t'étais devant Saint-Etienne, Radia. À la limite, pour Valenciennes, vous pouvez mettre c'est quoi déjà les initiales de Valenciennes? Attendez, je vais vous montrer le classement. Je vais vous montrer le classement du jeu de la mi-temps du coup, et on va passer directement à la troisième question du jeu de la mi-temps. C'est pas VAFC. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Les initiales de Valenciennes. Donc à la limite, vous auriez pu mettre VAFC. Mais Val, je l'aurais pas compté. Bon, dans tout le cas, tu es derrière Estanteuil. Bien joué quand même, Radia. Bravo à tous ceux qui avaient Valenciennes. Passons à la troisième question qui, comme je vous l'ai dit, est un peu compliquée. Hein, parce que du coup, normalement, la troisième question, c'était quel est le nom du stade de Caen. Mais puisque je l'ai activé, puisque j'ai fait n'importe quoi, j'ai changé la question. Elle est un peu compliquée. Elle est un peu compliquée, honnêtement, je m'excuse. Mais des fois, ça fait du bien. Des fois, ça fait du bien, les questions qui sont un peu plus dures. Allez, passons à la troisième question du jeu de la mi-temps, les amis. J'ai mis je sais pas en premier. Je l'ai vu, le je sais pas, je l'ai vu.
Troisième et dernière question, c'est parti. 3, 2, 1. Troisième question, qui est le président du club de Caen? Voilà, elle est un peu compliquée, on a pas trop souvent, on les connaît pas forcément tous les présidents. Qui est le président du club de Caen? C'était moi le troisième, mais Sofiane, toujours le même problème les amis. Il est possible, il se peut que vous voyez plus haut que ce que moi je vous vois les amis. C'est le chat YouTube, c'est comme ça. Mais voilà, en gros vous voyez votre message toujours avant moi et avant chacun en fait. Chaque personne voit ses messages avant en fait les gars. Donc c'est normal malheureusement si vous voyez 3ème et que je vous ai pas mis de points. Parce que moi je dois vous voir 4ème ou 5ème les amis. Mais je le répète, hein, c'est normal. Mais c'est pour ça aussi que c'est pour le fun. On s'amuse au jeu à la mi-temps, c'est le principal. Quand on va gagner 3-0 de May One. Ouais je sais pas nommer Yanis, c'est honnête, c'est honnête. Ouais, vous êtes nombreux à mettre je suis devant, je suis deuxième, etc. Mais voilà, c'est si jamais vous voyez avant et que je vous mets pas de points, malheureusement c'est normal. Voilà, moi ça m'était déjà arrivé sur le live d'une autre personne où il y avait un peu ce même principe là. Et à chaque fois je me voyais premier, mais non en fait j'étais pas premier, donc malheureusement c'est comme ça. Mais si vous voulez vous pouvez réactualiser le chat, et quand vous réactualisez le chat, ça vous verrez à la vraie place les gars. Alors du coup on va regarder vos réponses du coup à la question suivante. Qui est le président du club de Caen? Bravo à tous ceux du coup qui m'ont mis Olivier Piqueux, puisque c'était la bonne réponse. C'était un peu compliqué, c'est vrai, comme question là, j'ai pas été sympa, mais ça fait du bien en vrai. Des fois, des questions où il faut vraiment réfléchir, parce que en vrai, ça reste quand même pas si facile que ça. Mais bon, quel est le score du dernier match de Caen? C'est quand même beaucoup plus simple que ce genre de questions là. Du coup, ça fait du bien quand même de mettre des questions un peu plus compliquées. Alors, bravo du coup à Super GG qui répond juste le premier. Bravo à toi. Bravo Super GG qui gagne 3 points. Olivier Piqueux, bravo à Ram Team encore en deuxième position, félicitations. Et Dominique Rocheteau. Pourquoi Rocheteau les gars? C'est Saint-Etienne ça je crois. Pourquoi Rocheteau? Bizarre. Enfin, enfin moi la dernière information que j'ai c'est Olivier Piqueux. Et bravo du coup à Estanteuil qui a mis Olivier Piqueux en troisième position. Voilà du coup les amis, c'est terminé pour le jeu de la mi-temps. Merci à tous les amis d'avoir participé hein. Comme d'habitude. Du coup vous voyez ce que ça donne ça du coup pour le moment au classement du jeu de la mi-temps. On a Ram Team en première position, Psycho, Super GG, Trenkev, Estanteuil, Clément et Oui. Mais je rappelle, hein, demain il y aura PSV contre Monaco, mercredi il y aura Real contre Francfort. Ensuite on aura un week-end 100% Ligue 1. Et vous savez qu'on remet les classements du jeu de la mi-temps à zéro chaque début de semaine. Donc il reste encore toute une semaine pour gagner des points. Le jeu de la mi-temps est très loin d'être terminé les amis. En tout cas merci à tous d'avoir participé au jeu de la mi-temps, ça fait plaisir. Et donc on va revenir au match hein, puisque les 22 acteurs n'ont pas tardé à refaire leur apparition sur le stade Michel Dornano. Mais avant ça, si vous avez des débriefs, des analyses, n'hésitez pas, le chat est fait pour ça les gars. Hop. Tac. ASS. Ah oui c'est vrai que les. Ouais c'est Romeyer et Cayazo. Mais je crois que Rocheteau il a un rôle hein, au sein de Saint-Etienne je crois. Alors je sais pas si c'est encore le cas maintenant avec tout ce qui s'est passé, mais je crois qu'il avait un rôle. Il me semble. Peut-être pas président mais un autre alors peut-être. Je sais pas trop. Bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais en tout cas voilà. Tac. C'était moi le troisième sur la dernière question. Voilà, c'est toujours la même explication les amis. Tu pourras commenter les prochains matchs du SM Caen mais Tegma. Les gars, je vous. Alors attendez, je vais juste essayer de voir. Non, il n'y a pas les notes malheureusement. Il n'y a pas les notes, les amis. Je vais pas pouvoir montrer les notes des joueurs. Voilà, les matchs de Ligue 2 sont moins médiatisés. Donc souvent, voilà, il y a des choses qui manquent. Alors quoi, les Canets et les Messins qui ont pas tardé à refaire leur apparition sur la pelouse. La seconde période va pas tarder à recommencer. Les gars, mettez-moi vos analyses si vous en avez. Et voilà, je vois que certains me posent des questions à propos des lives de la Ligue 2 et tout. Cette année, j'aimerais bien faire plus de lives de Ligue 2 que l'année dernière. Cette année, les matchs jusqu'à que je reprenne les cours, tous les matchs, tous les lundis soirs, je pourrais vous faire des lives. Tous les samedis à 15h, je pourrais vous faire des lives de Ligue 2. Et je vais essayer de faire au maximum pour, même quand j'aurai repris les cours, peut-être essayer par moment de faire les multiplex à 19h de Ligue 2 avec 8 matchs. Et bien sûr, même quand j'aurai repris les cours, je vais essayer peut-être quelques lundis de vous faire certains matchs, même si bon, ça risque d'être plus compliqué. Mais voilà, vous inquiétez pas, il y aura de la Ligue 2 sur la chaîne plus que de l'année dernière, les amis. Donc pour tous ceux qui aiment la Ligue 2 ou pour ceux qui ont des clubs hein, en Ligue 2,
il y aura de la Ligue 2 bien évidemment, et on a fait un Saint-Étienne-Nîmes samedi, là aujourd'hui on fait qu'en Metz, et le week-end prochain ce sera pareil, hein. Je ferai le match de samedi à 15h je pense en Ligue 2, je ferai le match de lundi également, bref, on fait aussi de la Ligue 2 parce que là c'est cool, et en vrai moi si ça me permet par exemple quand il y aura deux équipes de Ligue 2 qui vont monter, ça va me permettre aussi de bien les connaître, parce que si jamais je faisais pas de live de Ligue 2, bah j'aurais pas trop l'occasion de suivre la Ligue 2, donc c'est cool de suivre la Ligue 2 et en plus de vous la partager, c'est encore mieux. Tu pourras commenter les lives de Ligue 1, nous demande Amy. Bon bah la Ligue 1 les gars, vous en avez l'habitude. La Ligue 1 c'est même pas une question, la Ligue 1 on en fait tous les week-ends bien évidemment. Alors que la deuxième mi-temps entre Caen et Metz va reprendre. Salut Paul, tu viens de me rappeler que l'école existe. Désolé Aligno, mais on a le temps, on a encore 3 semaines. Je crois que trois semaines. Si on a 3 semaines encore, ça va Aligno, ça va. Tu fais que des live Ligue 2. Non, je fais plus de Ligue 1, un peu d'autres championnats lorsqu'il y a des gros matchs, beaucoup de Champions League, Europa League, etc. On fera la Coupe du Monde, on fait de la CAN, on fait des matchs internationaux, on fait tous les grands matchs du football en fait, les amis, sur la chaîne. Et là, ce soir, voilà, il n'y avait pas d'autre chose, et en plus la Ligue 2 est une belle ligue, donc on fait la Ligue 2, c'est reparti les amis, entre Caen et Metz, les amis, excellente deuxième mi-temps à vous tous, que le meilleur gagne, pour le moment c'est Caen qui est devant les sud des 45 premières minutes de jeu grâce à un but de Diani, le milieu de terrain Canet, qui ouvre le score à la 38e minute de jeu. Caen est devant mais c'est loin d'être terminé puisque Metz n'a pas encore dit son dernier mot. En tout cas, excellente deuxième mi-temps à vous tous, il n'y a pas eu de changement les amis, que ce soit du côté Canet, du côté ou même du côté Messin. En tout cas c'est reparti avec un premier ballon dans les pieds des Messins côté droit. Metz qui va pouvoir progresser, pourquoi pas, alors qu'il y a il y a eu un carton jaune. Alors je sais pas s'il vient de se faire à l'instant ou s'il était en fin de première mi-temps, mais je crois que je ne l'avais pas mentionné, donc je vous le mentionne. Carton jaune pour un Messin, c'est Miko Tadze qui s'est pris le jaune. Ou attendez, il y a un bug là. Il y a un petit bug les amis. Pourquoi ça bug? Ouais, il y a un bug, je sais pas pourquoi. Attendez, je vais essayer de régler le bug. Attention avec le ballon dans les pieds de Caen. Caen qui va pouvoir écarter, Metz qui va pouvoir écarter côté gauche. Ce sera sur la tête de Teike ou pour servir son gardien Mandrea. Hop. Ouais bah le truc il bug je crois. C'est pas très grave. Allez Metz nous met les fiches. Le Brésil va gagner la Coupe du Monde. Non Aligno, ce sera la France, j'espère bien en tout cas. J'ai pas d'équipe de foot préférée les amis pour ceux qui te demandent. En Coupe du Monde, fais-nous les matchs du Maroc et de la France s'il te plaît. Les matchs de la France, j'ai voilà bien sûr hein, comme beaucoup de personnes, quand on a vu que c'était au Qatar, quand on a vu le calendrier et quand on a vu que c'était en décembre, j'étais déçu encore plus parce que voilà j'aurais court, donc je pourrais pas vous faire toute la Coupe du Monde même si j'aurais bien aimé. Mais j'ai quand même regardé et je pourrais vous faire quand même pas mal de matchs. Je pourrais vous faire tous les matchs de la France à la Coupe du Monde. J'essaierai de live tous les matchs hein. Donc si je peux faire les matchs du Maroc et d'autres équipes, bien sûr que je le ferai. Mais en tout cas j'ai regardé l'équipe de France. Je pourrais tous vous faire les matchs de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Et après bah, je ferai le maximum de matchs possible en fonction de mes disponibilités. Mais c'est vrai qu'au niveau de la Coupe du Monde, c'est pas fou les horaires. Mais ça va, j'ai vu que je pourrais faire tous les matchs de la France et pratiquement toutes les phases finales. Donc on s'en sort plutôt pas mal. Et j'essaierai de faire un maximum de live pendant la Coupe du Monde, bien sûr, avec un ballon là côté droit pour les Messins, pour les Canet. La tête canaise qui a passé à droite. Des buts de Oukidja, il y aura une sortie but à jouer pour Oukidja, 48 minutes de jeu, toujours 1-0 pour Caen. Je vais me reconcentrer du coup dans les commentaires de ce match. J'essaie de toujours lire un maximum de vos commentaires bien évidemment, de vos chats les amis. Mais voilà, on va suivre aussi cette deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'intensité. Donc c'est compliqué de regarder vos ressentis. Mais voilà, j'essaie quand même de regarder un maximum vos messages bien évidemment. Je pense qu'à Caen il y a une très bonne ambiance. En vrai il y a une bonne ambiance à Caen, oui hein, il y a une bonne ambiance. On a Amy qui nous met un 2-1 pour Caen. Les amis, si jamais certains ont changé de prono à cause de l'ouverture du score de Caen, vous pouvez me remettre vos pronos aussi dans le chat, comme ça je peux les regarder. En plus c'est rapide voilà, à regarder dans le chat. Donc voilà, si jamais vous mettez des nouveaux pronos, vous pouvez. Moi j'avais parié 2-1 pour Metz. Et vous savez quoi, je vais être joueur, je veux rester sur mon 2-1 pour Metz. Vous savez quoi, je suis joueur. Donc voilà, oui, il y a une bonne ambiance à Caen. Donc voilà, je reste sur mon 2-1 pour Metz les gars. 2-0 pour Caen, on nous met Tegma alors qu'on a Gaël
qui nous a mis au-dessus. On a souvent de très bons matchs en Ligue 2. Mais ouais, hein, exactement. C'est pour ça aussi que j'ai bien envie de vous faire plus de Ligue 2 cette année. Il y a des très grosses affiches. Pas parce que Saint-Etienne et Bordeaux sont descendus, que ce sont quand même deux grosses équipes. Mais enfin, un peu, parce que voilà, c'est quand même deux grosses équipes. Enfin, ce serait pas plaisir pour eux, mais en vrai la Ligue 2 qui accueille Bordeaux et Saint-Etienne, ça relève le niveau de la Ligue 2, même s'il était déjà quand même plutôt bien élevé. Mais comme tu dis Gaël, il y a des gros matchs en Ligue 2, il y a des gros matchs, il y a des grosses affiches aussi, et c'est pas une ligue à négliger, bien au contraire. Alors que là la frappe, Messine qui va passer au-dessus, des buts du gardien de Caen, et c'est pas pour rien qu'on a vu que Ajaccio était loin d'être ridicule face à Lyon, à part Auxerre qui a perdu face à Lorient. Sinon on a Toulouse qui a fait une très grosse performance face à Nice. Donc non, franchement la Ligue 2 est un beau championnat aussi. Je crois toujours en Metz, mais Damien, tu savais que la nationale deviendra la Ligue 3. Ah bon, Hopper? Ça s'appellera vraiment Ligue 3? Alors honnêtement, je sais pas. Enfin, j'étais pas au courant, Hopper. Ah, attention avec le ballon qui va être récupéré là par les Messins au milieu de terrain. Mais est-ce qu'il va pouvoir écarter côté droit? Merci beaucoup Noah pour ton abonnement. Ballon dans les pieds du numéro 9 de Metz. Ah non, ça devait pas être le numéro 9. Ah si, c'était Mikotadze, balle au pied, ce sera récupéré par les Canets. Quand tu vas pouvoir écarter côté droit, il y aura peut-être une occasion de 2-0. Le bon ballon, ce sera en direction de Mendy. Mendy pour SND qui percute. SND pour resservir Van der Merch, mais ce sera récupéré et bien défendu de la part de Udol qui va laisser ce ballon sortir en sortie but. On voit 5m50 à jouer pour les Messins. Alors qu'on vient d'atteindre à l'instant, les amis, on vient d'atteindre à l'instant la 51ème minute de jeu. Caen est toujours devant pour le moment. Pour le moment, Caen est toujours devant. Et voilà, si je vous remonte les statistiques, 45% à 55, la possession pour Metz, 8 tirs à 8, 2 tirs cadrés à 3, ah bah ça va se réactualiser, donc 9 tirs à 8 pour Metz, 3 tirs cadrés à 2 pour les Messins. Même si les statistiques sont très légèrement en faveur de Metz, et bien le score il est légèrement en faveur de Caen, hein. Ça marche comme ça le football. Le football n'est pas une science exacte, et on le voit encore une fois ce soir avec un ballon dans les pieds de Caen et pour Couillette et les Messins qui font tourner. Mais voilà, hein, le foot, dominer n'est pas gagné, c'est une phrase qu'on répète quand même assez. Et je pense que là elle rentre bien dans la tête des Messins ce soir qui dominent globalement, mais qui pour le moment sont menés, hein. C'est même pas qu'ils ne gagnent pas les Messins, c'est qu'ils sont menés, puisque Caen est quand même plus réaliste devant le but. Allez, attention avec le ballon là côté droit pour les Canets. Caen qui revient avec son gardien avec le dégagement de Mandrea. Allez, je vous enlève du coup les statistiques. Oh, merci beaucoup Christophe Pedrolo. Après Gaël, après William, c'est Christophe qui fait un don de 10 euros. Merci mon Christophe. Oh là 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 là, merci Christophe. Supporter Rennais qui nous met allez Caen dans son don du coup qui est pour Caen ce soir. Merci beaucoup Christophe. De gros GG les amis pour Christophe dans le chat. Mais c'est quoi cette soirée de dingue les amis? De gros GG pour Christophe. Gros GG Christophe et énorme. Merci à toi. Oh là 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 là. Merci beaucoup Christophe. Merci beaucoup. Punaise, vous êtes des cracks. Les gars, qu'est-ce que c'est que ce match? Qu'est-ce que c'est que ce live ce soir? C'est merci beaucoup mon Christophe. Merci beaucoup. Je vois des GG notamment de Gaël. Vous êtes déjà très nombreux à mettre des GG. Oh là là là, gros GG Christophe. Gros GG, grand merci Christophe. Avec un ballon dans les pieds des Metz hein, là pour relancer. Metz qui va pouvoir pourquoi pas servir Mikotadze qui va perdre le ballon. On a Ibrahim Agnan qui tout de suite hein, va tenter de le récupérer. Et donc voilà, ils instaurent quand même un plutôt gros pressing à la perte de balle les Messins. Et justement ils fonctionnent puisque là ils vont pouvoir le récupérer. Et ouais, mais bon, s'ils le repèrent derrière, ça sert pas à grand chose. Mais non, ils vont le regagner. Bah non, ils vont le repérer parce qu'il y aura une touche à jouer à gauche pour les Canets, assez proche de la ligne médiane. Merci beaucoup Christophe. Oh là 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 là. Salut, est-ce que tu fais la Ligue Europa? Bien évidemment Daivon. Les amis, dites-vous que sur la chaîne, il n'y a pas une ligue ou une compétition que je fais en particulier. Attention, il y aura un ballon dans les pieds du Brahim. Nyan, il est passé le festival de Nyan. Il faut écarter côté droit. Ah non, il y va personnellement. Nyan, il aurait pu écarter côté droit. Il se l'a joué un petit peu trop perso, Nyan, alors qu'il y avait un appel de Mikotadze. Oh, il peut s'en vouloir, Ibrahim Nyan, là, parce que Mikotadze avait fait un gros boulot. Il était remonté pour s'écarter côté droit, donc pour donner une solution supplémentaire à Nyan. Mais il a préféré aller tout seul, Ibrahim Nyan. C'est dommage. C'est dommage parce qu'honnêtement, ça aurait pu faire. Une belle égalisation Messine. Salut mon David. Oh là, quel dommage. Il n'y avait pas d'argent pour la part de Ibrahim Agnan. Mikotadze, on le voit, il fait tout pour apporter son soutien. Mais Nyan, il ne le sert même pas. Alors que là, s'il l'avait servi, ça aurait fait très mal. Ça aurait fait très mal. Je pense qu'ils auraient pu égaliser les Messins, mais on en reste à 1-0 pour Caen. Donc voilà, du coup, j'étais en train de dire, les amis,
sur la chaîne, on fait pas de ligue précise, de compétition précise, même si voilà, on fait ça avec beaucoup de Ligue 1. Moi, je prends tout, je regarde chaque début de semaine, je regarde chaque journée, et puis on fait les plus gros rendez-vous. Voilà, hein, ce soir, il y a SM Caen FC Metz. Demain soir, il y aura Monaco PSV avec de la Champions League. Mercredi, il y aura Real Madrid Francfort. C'est la Super Coupe, donc rien à voir. Et puis voilà, le week-end, on fera de la Ligue 1. Mais si je vois qu'il y a une grosse affiche en Liga, bah, on fera de la Liga. Enfin, franchement, là, il n'y a pas de ligue, de compétition que je fais en particulier, mais on fait vraiment tous les plus grands matchs du football et on s'éclate sur la chaîne. Allez, quand on nous met Alex, c'est sur Beansport 1. Merci encore à Christophe, à Gaël, à William pour leurs énormes dons. Et merci encore à tous ceux qui sont présents sur le live, les amis, avec un ballon qui va être écarté à côté droit. Ce sera en direction de Van der Merch et ça va sortir en touche à jouer là pour Metz à gauche. Bah, Metz qui va pouvoir un petit peu souffler, mais ils sont sous pression encore, les Messins. Merci beaucoup pour les 263 likes. On est en route vers les 300 likes, les amis. Oh là là, c'est énorme. Et alors qu'on est bientôt 18 100 abonnés aussi, les gars. Pff, oh là là là. Tu feras Guingamp Paris FC à 15h, c'est une affiche de montée. Bah ouais, hein, je pense que samedi Paris FC Guingamp, il y a de grandes chances que je le fasse à 15h, hein, puisque samedi, les samedis à 15h, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de Ligue 1, il n'y a rien d'autre. Donc je pense que samedi prochain à 15h, on fera du Guingamp Paris FC. Merci les amis, merci à tous. Ballon écarté encore une fois à droite pour Metz, ce sera en direction de Jalo. Ouais, là, dans 5 minutes, on est à l'heure de jeu entre Caen et Metz. Faudrait peut-être penser à faire des changements du côté messin parce que là, ils n'y arrivent pas, les messins. Il faudrait peut-être penser à faire des changements parce que sinon, Caen va. Voilà, Caen, ils doivent pas attaquer hein, les Canets. C'est à Metz de faire le jeu, c'est à Metz de se livrer un petit peu. Et pour le moment, on n'a pas l'impression que. Enfin, je vois pas trop comment Metz pourrait revenir au score, à part pourquoi pas avec des changements. Je vous remonte les compositions les gars, je vous remonte les compositions. On a Alakouche, Caillard, Danley, Ndouklili, Traoré, Wagner et Yadé sur le banc de Metz. On a quand même des plutôt gros joueurs qui peuvent faire des différences, donc faut peut-être utiliser ces joueurs là pour essayer de revenir au score hein, du côté messin. Et bien sûr du côté Calais aussi, hein, faut aussi faire des changements parce que ce serait bête de se prendre un but parce que voilà, hein, physiquement ça commence, voilà, plus le match avance, plus physiquement c'est compliqué, que ce soit pour les Canets ou pour les Messins. Surtout que là, Metz doit pousser, donc Metz a un petit peu plus le ballon. On le voit au niveau des statistiques, 54% à 46% la possession pour Metz. Metz a poussé le ballon, Caen court un peu plus, donc même si Caen mène, c'est pas une raison aussi pour pas faire de changement, pour faire tourner, faire rentrer des joueurs frais, défensivement aussi ça peut être important. Hein, les ballons dans les pieds de Metz là, pour relancer. Les Messins qui ont le ballon avec Mikotadze. Mikotadze qui va écarter côté droit. Ce sera finalement récupéré par le Stade Malherbe de Caen. Mais ça reviendra dans les pieds des Messins encore une fois. Le gros tac là de la part des Canets. Les Messins qui vont se battre et l'arbitre qui va finalement trancher et qui va s'y aller un coup franc pour Metz, alors que le coup franc est joué vite, coup franc au milieu de la surface, au milieu du terrain, qui est joué vite avec Maïga, ballon écarté côté gauche vers Ibrahimania. Non, ce sera capté, la belle sortie de la part de Mandrea, le gardien Canet qui ne s'est pas fait surprendre. Metz vont remonter, nous met Enzo. Voilà, comme j'ai dit en avant-match, Metz c'est une équipe qui est habituée à faire l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2, mais pour le moment ils sont en train de tomber contre plus fort qu'eux. Le duel des fans, c'est tellement serré les amis. Vous êtes plus de 1000 à avoir voté. 37% sont pour Caen, 36% sont pour Metz, ça se joue à 1%, et 27% sont neutres. Ça joue à pas grand chose entre Caen et Metz. Et vous êtes très nombreux à être présents aussi pour la beauté du football, puisque vous êtes quand même 27% à être neutre. J'ai l'impression que ce week-end on bat vraiment les records de neutres hein. Souvent vous êtes quand on dépasse les 10% de neutres, c'est quand même pas mal. Là vous êtes 27% à supporter ni Caen ni Metz, à venir juste pour la beauté de la Ligue 2. Allez, ballon qui va être capté par Okidja. Tu as vu l'oiseau? Ouais, David, en première période effectivement on a eu un pigeon qui s'est invité dans la surface de réparation de Okidja. Allez, avec les Canets qui ont le ballon. Salut NLTR76 qui nous met à l'MS. Metz vont remonter, qui nous met Enzo. Oh, attention là, beau ballon. Pourquoi pas pour les Canets? Ce sera capté par Okidja.
belle frappe là de la part d'un Canet. Il me semble que c'était SND là qui a frappé. Ouais, c'était lui, c'est SND qui a pris ce ballon comme il venait. Pied gauche et bel arrêt de la part de Oukidja qui en plus de ça capte le ballon. Il se contente pas juste d'écarter le danger, il vient capter le ballon et il permet donc à son équipe de le récupérer et de relancer. Les Messins qui vont pouvoir relancer, écarter côté gauche, ce sera récupéré par Kant directement. J'ai l'impression que voilà, il faut se livrer pour les Messins, ça c'est une certitude, il faut se livrer s'ils veulent aller égaliser. Mais j'ai l'impression que les Messins ils confondent un petit peu se livrer avec se précipiter. J'ai l'impression que des fois ils se précipitent beaucoup trop les Messins alors qu'ils ont le temps par moment, ils se précipitent un peu trop je trouve les Messins. Attention avec un ballon écarté, pourquoi pas à droite, ce sera capté. Ouais mais regardez encore une fois là il y a un long ballon. Tu sais même pas pourquoi ils font ça des fois à Metz. C'est un ballon, on a l'impression qu'il redonne le ballon à Mandrea qui peut capter le ballon tranquillement et après les Canets ils jouent bien les coups hein, puisqu'ils gardent le ballon le plus longtemps possible. Et là on est bientôt à l'heure de jeu, on va bientôt entrer dans la dernière demi-heure de jeu dans le temps réglementaire. Faut pas gâcher les occasions, faut pas se précipiter. Et malheureusement Metz là ils sont un peu en train de passer à côté de leur deuxième période. Oh, attention avec le centre Canet, la reprise de volée de Mendy dans la surface de réparation de Metz qui passe à côté. Le magnifique centre Arater là venant de la gauche pour les Canets. Ça a été repris par Mendy qui a pris ce ballon. Première attention Mendy qui a mis ce ballon en sortie de but à jouer entre Caen et Metz. Sortie de but à jouer pour les Messins, mais encore une belle occasion pour les Canets parce qu'on parle d'égalisation pour Metz. Mais c'est pas non plus écarté que Caen vienne marquer le but du 2-0. Tout est possible encore dans ce match hein. Metz a les armes pour aller égaliser, ils ont les armes honnêtement, faut juste pas se précipiter, persévérer bien évidemment et bien sûr pas faire n'importe quoi. Ils ont les armes pour dans le sens où ils sont pas non plus quand ne contrôle pas tout. Ils ont les armes pour aller égaliser les Messins, mais quand peut aussi aller inscrire un deuxième but. Et un deuxième but ça ferait beaucoup de mal aux Messins bien sûr au score mais aussi moralement hein. Je pense que déjà un partout ça risque d'aller être compliqué à chercher quand on marque le deuxième but. Je vois mal Metz revenir avec un ballon côté gauche là pour les Canets justement qui pousse hein, pour le faire. La frappe canaise qui va passer à côté des buts de Oukidja, renvoie à 5m50 pour les Messins. Oh là 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 les amis, c'est encore un gros match. Hein. On a eu une grosse journée de Ligue 1, une grosse première journée de Ligue 1 avec que des matchs de fou. Et là ce soir encore on a un très gros match. Hein. En fait, on a toujours soit des matchs avec beaucoup de buts, beaucoup de spectacles, comme Clermont-Paris où il n'y avait pas beaucoup de suspense, mais il y avait des buts, il y avait du spectacle, c'était incroyable. Soit on a des matchs avec du suspense, et ce soir on a un peu les deux, on a quand même du spectacle, des belles actions, mais on a aussi beaucoup de suspense, et c'est quand même pas mal des matchs avec du suspense aussi. Les amis, j'essaie de lire un maximum vos messages. Hein. Qui ne saute pas n'est pas calé, oui, allez 2-0, nous met l'or. Boulaya, il l'aurait retourné à Alusson, nous met Paul. Malheureusement, Boulaya n'est plus Messin. Attention, le centre là a joué pour les Messins, la reprise de volée. Oh, quel arrêt de la part de Mandria là, qui vient sauver les Canets d'une égalisation. Ils ont les armes, les Messins. Quand on dit qu'ils ont les armes. C'est pas une blague, hein. Ils peuvent aller le faire les Messins avec cette belle reprise de volée de la part d'Ibrahim Magnan il me semble qui a été dégagé, bel arrêt de la part du gardien algérien Mandrea dans les buts de Caen. Très belle frappe, hein. Non c'était pas Ibrahim Magnan, c'est peut-être Gay. En tout cas on a dépassé l'heure de jeu, il n'y a toujours eu aucun changement mais en tout cas belle occasion pour Metz, très belle occasion pour Metz. Metz ont aucune occasion, Mohamed nous met aligné aussi, en vrai ils ont des occasions. Metz ne doit pas être décroché, nous met Mohamed. Tu fais aussi les matchs de Ligue 1 ainsi que les gros matchs. Bien sûr Raptak, t'as bien résumé. On fait en particulier la Ligue 1 sur la chaîne, mais on fait tous les gros matchs Raptak. J'entends le stade d'ici, à chaque fois j'entends les supporters 30 secondes avant que tu décrives l'action. Ah ça serait stylé. J'aimerais bien habiter à proximité d'un stade juste pour ça, ça serait tellement stylé. Les soirs de match, alors que là ouais on revoit cette frappe canaise, mais bon je me suis pas bien enflammé hein, cette frappe qui a passé largement au-dessus des buts de Oukidja. Et il y aura du coup une sortie but à jouer. Un sortie but à jouer encore une fois pour Metz. Je vous remonte les stats hein, les gars. 54 à 46 la position pour Metz. 12 tirs à 11 pour Metz. 5 tirs cadrés à 3 pour Metz. 5 tirs cadrés, aucun but. Le gardien de Caen, il est en train de faire un excellent match. Hein. Je vais prier pour Metz, nommé Paul. Le match sur Beansport 1, Ezari. Metz champion à la fin de la saison. Nous met Nathan Ling. Bologna fait rentrer Yadé s'il te plaît, nous met Nathan Ling. Voilà, hein, le, sur le banc Messin, je rappelle. Hein, on a Alakouche, Kayar, Danley, Ndoukidi, Traoré, Wagner, Yadé sur le banc de Metz. Sur le banc de Caen, on a Clémentia, Cour, Jeannot, Kiremé, Ntim, Obiang et Zadi
Dans tous les cas, les bancs, vous les avez hein, sur les compositions. Attention, avec un ballon toujours dans les pieds des Messins. Messi va pouvoir, pourquoi pas, écarter côté gauche. Le centre à jouer là pour les Messins avec Udol. Udol, la frappe Messi. Non, oh, le poteau de Miakatatse. Oh là là, mais quelle occasion pour les Messins. J'ai même attendu un petit peu avant de vous dire poteau, parce que c'était un poteau rentrant. Ça a tapé le poteau, ça a longé la ligne pour sortir côté opposé. En sortie de but, quelle occasion pour les Messins. Oh, il a pas de bol, Mika. Otadze, quelle frappe de sa part là, poteau pratiquement rentrant, ça a tapé le poteau, ça allait le long de la ligne du gardien Canet pour sortir finalement en sortie de but, mais quelle occasion pour les Messins. Encore une fois, il fait un excellent match hein. Mika Otadze là, le milieu de terrain, le numéro 10 dans son rôle hein, de numéro 10 dans le 4-2-3-1 du côté de Metz, il fait un excellent match. J'aimerais bien pour lui qu'il soit récompensé par un but. Et là on n'en a pas été loin. Les amis, je me lève un petit peu parce qu'il fait vraiment très chaud. Encore une fois, merci beaucoup Thomas pour ton abonnement. Ballon encore une fois côté gauche. Et toujours dans les pieds de Mika Otadze. Le ballon qui sera servi pour Gay. Gay qui va s'écrouler. Et l'arbitre qui signale un coup franc pour quand? Coup franc pour quand hein. Donc il a jugé que c'était Gay qui a fait la faute. Tant mieux pour quand, mais je pensais qu'elle allait être pour Metz cette faute. Ouais, en fait il y a rien. En fait il y a ni une faute de Gay ni une faute d'un Canet. En fait il glisse juste sur le ballon le Messin. Donc normalement le jeu aurait dû continuer. C'est assez bizarre parce que l'arbitre était très près de l'action, donc je sais pas ce qu'il a vu. Mais bon, il y aura une faute pour quand, c'est pas non plus un scandale. Il va avoir des Saint-Etienne anciens nationaux nommés Paul. Merci beaucoup Lucas pour ton abonnement. Merci à tous ceux qui s'abonnent, les amis. Je vois qu'on est à 12 abonnés de 18 100 abonnés. Je sais pas pourquoi vous êtes vraiment très 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 nombreux à voir Saint-Etienne en national, les gars. Les amis, ça fait que deux journées c'est rien. Il y en a 38 des journées, je rappelle. Voilà, au niveau du classement, hein, quand est deuxième pour le moment. Ils viennent de la Ligue 1, deux matchs, un nul, une défaite. Je trouve ça moyen pour une équipe qui a évolué pas mal de temps en Ligue 1, le Metz Steven. C'est vrai, on peut pas dire que Saint-Etienne fait le meilleur début de saison en Ligue 2. Ça, c'est vrai. Attention à la tête, Messi. Non, 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 mais encore une fois, une très grosse occasion là pour les Messins. Cette fois-ci, ce n'est pas Mandrea qui a mis ce ballon en corner, puisque la tête n'était pas cadrée. Il y aura une sortie but à jouer. Ah, les Messins, ils méritent. Je suis désolé, supporters de Caen, mais Metz, ils méritent vraiment d'aller égaliser. Mais après, Caen est très fort. Hein. Caen est très, très fort. Ils sont très solidaires en défense, solidaires. Pour le moment ils défendent très très bien, il y a très peu d'espace. Et Caen ne vole pas leur victoire hein, pour le moment. Même si Metz mérite d'égaliser, Caen ne vole clairement pas sa victoire. Alors que Gay sort. Gay qui sort, on a un changement du côté de Metz. C'est Gay qui sort et Yadé qui rentre, Gay qui sort du côté de Metz. Les amis, les changements se notent sur les compositions en bas à droite. Voilà, mais quelle occasion encore une fois. Mais du coup là je vais continuer ce que j'étais en train de dire sur la Saint-Etienne. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut vraiment pas contester le fait que Saint-Etienne fait clairement pas un début de saison de fou. Mais juste regardez le classement que je vais vous mettre, le classement que je vous mets à droite. Saint-Etienne, ils ont ce malus de moins 3. Donc c'est pour ça que ça fait un peu peur, parce qu'ils sont 20e avec moins 2, puisqu'ils ont fait un match nul. Donc ils ont moins 2, maintenant plus moins 3. Ça fait un peu peur, c'est vrai. Mais au niveau du jeu, il y a eu une défaite contre Dijon. C'est vrai que c'était pas fou. Le match nul face à Nîmes, ils étaient quand même bons au niveau du jeu, les Stéphanois. Et en plus de ça, s'ils n'avaient pas ce malus-là, qui n'est pas un malus lié à leur jeu, mais lié à leurs supporters, ils auraient pu être à la 13e place. Il y a quand même Nîmes, Queville, Le Havre, Sochaux, Rodez, Pau et Annecy qui ont fait un match nul et une défaite. Donc les Verts, ils ne sont pas largués. Hein. Sachant qu'on a Annecy qui a fait deux victoires, hein, deux défaites. Hein, pour le moment. Annecy, c'est la seule équipe à avoir fait deux défaites pour le moment, les gars. Hop là. Voilà, je sais pas pourquoi, je suis assez surpris de voir beaucoup de monde me mettre Saint-Etienne, ils vont aller en national. Allez, même si après c'est possible, hein, mais en tout cas, je pense que c'est assez tôt pour le dire. Changement du côté de Caen, alors qu'il y a un changement qui vient d'avoir lieu du côté de Metz. Hein, je rappelle que Yadé est rentré à la place de Gay. Du côté de Caen, c'est SND qui sort. Et voilà, SND qui sort. Kierémé qui rentre et Brahimi qui sort, Zadi qui rentre. Pareil, les changements se mettent sur les compositions. Alemès égalisé nous met Hain. On a Matteo qui nous met Alemès. Annecy va faire une remontada, nous met Thomas. Hop.
A ton avis, Metz peut mettre un but? Oui, bah là. Oh là 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 là, attention, la surface de réparation. Là, là, plutôt les Messines, mais là, on a surtout. Ouais, on a. Wow. On a Yadé là qui s'est écroulé. En fait, Yadé, il a sauté très très haut et du coup, il est tombé d'une manière assez impressionnante. J'ai cru qu'il allait avoir pénalty, mais non, en fait, le Canet ne fait pas de faute. Hein. C'est même limite Yadé qui fait la faute. En tout cas, les Canets qui vont pouvoir dégager leur camp. Mais oui, Metz peut clairement marquer, hein, clairement. Metz, il y a la place, mais je n'écarte pas quand même la possibilité de 2-0 pour Caen aussi. Hein. Et j'ajouterais que Saint-Etienne méritait de gagner contre Nîmes dans le jeu et il a fallu des Nîmois très courageux pour ne pas perdre. Exactement, Santé, exactement. Allez, Bordeaux, mais Elix, tu vas percer, tu vas être commentateur de Ligue 1 et Ligue des Champions dans 5 ans, mais Paul, merci pour le message. C'est quand que Saint-Etienne vont jouer? Le premier match de Saint-Etienne, c'est lundi prochain et on le fera en live d'ailleurs, les gars. Le prochain match de Saint-Etienne en Ligue 2, je crois que c'est lundi prochain. Et puisque les lundis, jusqu'à que je reprenne les cours, en tout cas les lundis, je pourrais vous faire tous les matchs. Et donc, ouais, ce sera Quevilly-Saint-Etienne lundi à 20h45. Je pourrais vous faire le match de Saint-Etienne. Puisque tous les lundis, jusqu'à que je reprenne les cours, je pourrais vous faire les lives. Et j'essaierai aussi de vous faire des lives lundi, même quand je vais reprendre les cours. Hein, mais ça risque d'être très compliqué. Attention avec Udol. My God, les Messins qui font tourner. Metz qui va perdre ce ballon. Attention, il y aura peut-être une occasion de 2-0 pour les Canets. Il y aura peut-être une occasion de 2-0 avec Abdi, la belle montée du ballon à côté gauche. Oh, quelle montée du ballon de la part de Carr. De Caen plutôt, ouais, ce sera récupéré. Ce sera capté par Oukija dans cette surface de réparation Messine. Et Oukija qui va relancer à son tour. Il y aura un contre à jouer entre Caen et Metz. 70e minute de jeu. Ballon côté droit là pour les Canets. Ce sera écarté côté gauche. Caen qui pour Metz plutôt. Metz qui porte ce ballon. Udol, le capitaine Messin. Balle au pied, Udol côté gauche, il a trouvé le soutien de Yadé. Yadé qui a tenté le petit pont, sera contré par un Canet, ça va sortir en touche côté gauche là pour Metz vers le poteau de corner. Cette touche qui est rapidement jouée, les Messins qui vont pouvoir écarter côté droit avec Maïga. Maïga encore une fois, Maïga pour servir Jalot, le centre Messin qui va être contré par un Canet. Une touche à jouer côté droit là aussi vers le poteau de corner. Que c'est fou les amis, que c'est fou. Vraiment, on a un très gros match avec beaucoup de suspense. Merci beaucoup Anthony. Metz va monter en Ligue 1 comme d'hab, nous met le fiche. Voilà, vraiment, vous êtes nombreux aussi à le mettre dans le chat. Et effectivement, Metz, c'est une équipe qui est assez habituée, mine de rien, à redescendre, remonter, même des fois d'une année à une autre. Oh, attention, le corner Metz. Oh, le Cafouet, là, sur la réparation, c'est fou. Et oh là 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 là, il y aura une sortie de but. Et non, mais pas, ça va même pas sortir. Mais quel cafouillage dans la surface de réparation de Caen. Là, on a le gardien qui a fait un petit peu n'importe quoi. Hein, le gardien Canet, le but était grand ouvert. Mais heureusement pour Caen, que c'est aucun joueur messin a réussi à redresser le ballon. Toujours 1-0 pour Caen qui tient. Alors qu'on rentre dans les 20 dernières minutes de ce match, quel match de fou. Mais là Metz ils auront des regrets, hein. Metz ils auront des regrets si jamais les Messins n'arrivent pas à égaliser. J'adore ta chaîne, merci beaucoup William, merci encore William pour ton don, merci beaucoup mon Christophe, merci beaucoup Gaël aussi, merci à ceux qui suivent le live et merci beaucoup à Elias pour ton abonnement. Alors qu'on aura un ballon qui va être écarté côté droit encore une fois pour les Canets, l'arbitre qui va signaler une position d'enjeu, non pas une position d'enjeu, une touche côté gauche pour Metz dans leur camp, touche côté gauche pour Metz dans leur camp. Bien sûr qu'on fait la Ligue 1 les gars. Salut Tom. Il est beau le match, bah il y a un but, donc déjà voilà, c'est mieux qu'un 0-0. Et surtout le suspense qui règne autour de ce match, le fait que Metz pousse beaucoup pour égaliser rend ce match assez beau à voir. Il y a pas mal d'occasions, on ne s'ennuie pas, ça c'est sûr. C'est pas comme si Caen qui gagne maîtrisait complètement, faisait tourner pendant des plombes derrière. Non, c'est vraiment pas ça, hein. Metz qui pousse et du coup ça nous offre beaucoup d'occasions et ça nous offre du coup un très beau match. Salut Gwenaël. Merci beaucoup Benilias pour ton abonnement les amis. On vient de passer aux 18 100 abonnés alors qu'on vient de dépasser les 300 likes et les 18 100 abonnés. Vous êtes on fire les gars, vous êtes en feu ce soir alors que là on va assister au contre-messin. Mikatadze qui va pouvoir servir Gay côté gauche, Gay pour servir Yadé, le centre de Yadé à terre qui sera capté finalement par Mandrea. Oh, merci à tous les amis, hein. Merci à tous pour votre énorme soutien et merci pour les 18 100 abonnés. Vas-y, c'est la dernière fois que je dis dans le live les amis, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si le live vous plaît, c'est gratuit, c'est un soutien énorme. Mais c'est pareil pour le petit like, soutien énorme, entièrement gratuit. Merci aux 314 personnes qui ont déjà liké et merci à tous ceux peut-être qui viendront à liker et à s'abonner si jamais c'est pas encore fait les gars. Vous êtes vraiment énormes depuis qu'on a commencé cette chaîne, hein, y a un soutien énorme envers la chaîne et ça s'est accentué ce week-end, ça continue aujourd'hui. Merci à tous les amis pour ce soutien qui me fait vraiment chaud au cœur. Merci les gars. Est-ce que tu fais le jeu de la mi-temps dans tous les matchs que tu commentes? Ouais, Omar, ça c'est une tradition depuis. Je crois que le premier live de la chaîne, on a fait le jeu de la mi-temps. Hein. C'est même pas un truc que j'ai mis en place après, je crois que c'est
Depuis le début de la chaîne, on fait ça, jeu de la mi-temps à chaque mi-temps, et donc on fait ça à chaque live, effectivement. Alors, attention à Cabron là qui va être écarté côté droit pour les Messins qui vont pouvoir servir, pourquoi pas Yadé. Yadé qui a fait l'appel, finalement Yadé qui ne sera pas sur le ballon, la reprise de volée de Yadé, Yadé dans la surface de réparation, la deuxième reprise de volée de Yadé, et il y aura une touche à jouer pour Metz côté gauche. Touche à jouer pour Metz côté gauche, on a l'arbitre qui va arrêter le jeu pour aller voir ce qui se passe dans la surface de réparation. On a un Canet qui semble se... Ouais, oula ouais, ouf. Oh, ça fait mal là, je crois qu'il s'est pris. Ça devrait être carton rouge, ça devrait être carton rouge, les amis. Yadé, oh, sans pitié, Yadé. Hein. Yadé, il a frappé, il a mis la force. Il a voulu frapper le ballon, sauf que le pied de Yadé, il a atterri dans les roues bibi du Canet, si vous voyez ce que je veux dire. Oh là 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 là, ça devrait être carton rouge. Ça devrait être carton rouge, ça, les amis. Ça devrait être carton rouge. Oh, punaise. Oh, j'ai mal pour lui, les gars. Oh, le contact là, il a vraiment mis la puissance qu'un joueur pourrait mettre dans une frappe. Sauf que là, c'était dans les burnes du Canet. Courage à lui en tout cas. Oh, finalement, c'est le contact, ça fait mal. Salut Samuel, bonsoir BZH Joker. Attention avec la touche du côté des Messins, la touche qui est jouée. Le centre se sera dégagé finalement par les Canets et il y aura une touche à jouer. Oh, ouais, putain, on revoit les images là. On est tous avec lui, Plus d'enfants nous met Paul. Je sais pas, mais en tout cas on est tous avec lui parce que là, oh, le contact, c'était impressionnant. Et encore il s'est relevé vite. Hein. Il s'est relevé le but, hein, parce qu'il y en a certains qui auraient pu rester à terre jusqu'à la fin du match et on les aurait compris. Attention avec le ballon dans les pieds de Yadé qui va écarter côté gauche. Yadé avec Udol, le centre à jouer là pour les Messins, le centre tir qui va passer à côté des buts du gardien de Caen. On entre dans le dernier quart d'heure de jeu, toujours 1-0 pour les Canets qui semblent quand même tenir le bon bout et qui semblent vraiment... Voilà, se diriger vers une deuxième victoire de suite. Seul Guingamp a gagné les deux premiers matchs. Et pour le moment, Caen est en train de faire la même chose. Victoire 1-0 face à Nîmes. Et pour le moment, victoire 1-0 face à Metz. Alors qu'il y aura un changement du côté de Caen. Changement du côté de Caen. Et non, et du coup, il n'y a pas eu de carton. Il n'y a pas eu de carton, les gars, sur le contact. Il n'y a pas eu de carton. Il n'y a même pas eu de carton. Ça aurait au moins mérité un jaune, franchement. Allez, il y a un changement du côté de Caen avec la sortie de Daubin, l'entrée de Cour du côté de Caen. Sortie de Daubin, entrée de Cour du côté de Caen. Force Noumenoa. Ça va, il s'est relevé, maintenant il rejoue, mais je pense que là il doit encore sentir. Il doit encore le sentir, hein, clairement. Bonne soirée mon Christophe, à bientôt Christophe, bonne soirée à toi aussi Christophe, merci beaucoup. Bonne soirée mon Christophe. Merci encore à toi, hein. Quel soutien de la part de Christophe encore une fois. Bonne soirée, à bientôt mon Christophe. Bonne fin de soirée à toi avec Udol. Udol pour servir un autre de ses coéquipiers avec Maïga pour Traoré. Ballon qui va être récupéré finalement par les Canets. Ça va pouvoir être écarté à gauche peut-être. Les Canets qui vont pouvoir écarter. Ouais, c'est bien joué dans la surface de réparation. La frappe canaise qui sera contrée par Udol et ça sortir. Ah non, je sais pas si ça a été contré. Si ça a été contré, ce sera un corner pour Caen. Si ça ne l'a pas été, ce sera une sortie de but. Et je crois bien que ce sera une sortie de but pour Metz. Salut Louis, le match est sur Bein Sport 1, après je connais pas de manière gratuite. De toute façon, avec le centre, la côté droit pour les Messins, le magnifique centre. Donc ouais, c'était bien une sortie but, le centre Messin qui va être dégagé par les Canets. Ce sera de nouveau récupéré par les Messins qui auront encore une deuxième chance, pourquoi pas. Ballon côté droit, allez, il faut centrer, il faut un petit peu se dépêcher je pense du côté de Metz. Ça, il reste plus que 14 minutes, 13 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le centre Messin qui va sortir en sortie but encore une fois pour Caen. Revoir 5m50 entre Caen et Metz. Merci beaucoup pour les 328 likes. Merci à tous, amis, pour les 330 likes bientôt. Oh, c'est monstrueux, les gars. Monstrueux. Vous êtes des monstres. Allez, il y aura un dégagement du coup à suivre là pour Mandréa. Allez, les Messins, nous mettons Fic. Salut, ici, ça fait un bail. Salut, mon Samuel Junior. Ça va très bien. J'espère que tu vas bien également. Alors que le dégagement, ouais, la sortie but qui va être jouée. La sortie but qui va être jouée de la part du gardien Canet. Le jeu qui va pouvoir se poursuivre avec Maïga. Ouais, les Messins, à peine le dégagement a été joué. Les Messins qui ont directement le pied sur le ballon là, dans cette fin de match. Metz qui a beaucoup de ballon. Hein. Tout à l'heure c'était du 54 à 46. Là maintenant c'est du 56 à 44 la possession. Les Messins qui vraiment ont beaucoup de ballon dans cette fin de match. Mais après ils ont du mal à en faire vraiment quelque chose, on va dire. Hop. Merci beaucoup Tomate pour ton abonnement. Ton micro s'assure un peu. Ouais, malheureusement j'arrive pas à faire des réglages parfaits.
Je sais, il y a des jours où c'était pire, hein, vraiment. À chaque parole que je faisais, mon micro il saturait de ouf. Mais là, quand je crie un petit peu, quand j'élève le ton, il sature à peine. C'est pas non plus très accentué. C'était pire. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant. J'essaierai de le régler, mais le réglage son, c'est vraiment pas ma spécialité. Mais il y a des moments où c'était pire. Hein. Pour ceux qui ont connu les lives avec les sons qui étaient, le son qui était dégueu. Là, c'est vrai que quand je lève un peu le ton, ça sature un peu. Qui domine dans cette fin de match, les amis? C'est Metz. C'est Metz qui domine dans cette fin de match. Hein. C'est Metz qui domine dans cette fin de match largement sur l'ensemble du match aussi. Hein. Sur l'ensemble du match, c'est Metz qui dominait très légèrement. Mais voilà, hein, c'est dominer n'est pas gagné, les gars. On en a le parfait exemple encore une fois. Mais voilà, je vous remonte les statistiques. 57 à 43, la possession pour Metz, ils ont la possession. 15 tirs à 13 pour Metz, ils ont tenté plus de fois. Et là, 5 tirs cadrés à 3 pour Metz. Ils ont cadré 2 tirs de plus que les Canets. Ils dominent, les Messins. Mais dans le dernier geste, manque de réalisme, pas mal de déchets techniques aussi. Et pour le moment, bah, ils n'arrivent pas à égaliser. Et quand jouent très très bien les coups aussi les défensivement. C'est très compliqué pour Metz d'aller. Voilà, c'est le dernier geste, c'est très compliqué. Allez, il y aura un changement, mais sinon c'est Metz qui domine à mort. Hein. C'est Metz qui domine à mort. Dans l'ensemble du match, Metz dominait très légèrement, mais dans la dernière demi-heure, Metz domine à mort. Changement du côté des Messins, les gars. Changement du côté des Messins avec. Avec quoi? La sortie de Mikkel Brensi, l'entrée de Alakouche du côté de Metz. Je rappelle, hein, pour voir tous les changements, c'est en bas à droite sur les compositions. Je peux même vous les afficher si vous voulez, les gars, les compos. Vous voyez que du côté de Caen, on a un autre changement. On a d'ailleurs un autre changement du côté Messin. Mais voilà, vous voyez que du côté de Caen, on a Daubin, SND et Brahimi qui sont sortis. Zadi, Kiremé et Courti qui sont rentrés. Tandis que du côté de Metz, on a Mikkel Brensi, Udol et Gay, ainsi que Maïga du coup qui vient de sortir à l'instant. Alakouche, Danley, Traoré et Yadé qui sont rentrés. Voilà. Il y aura une sacrée bagarre pour la montée car cette année seuls deux remontent en Ligue 1 nommé Hooper. Et oui, hein, je rappelle qu'en Ligue 1 et en Ligue 2, on a 4 équipes qui descendent. Mais en Ligue 2, il n'y en a que 2 qui montent. 2 qui montent directement. Alors que l'année dernière, il n'y en avait que 2 qui montaient. Et une qui montait, enfin qui pouvait monter. Enfin non. L'année dernière, il y avait 2 équipes qui montaient officiellement. Et le 3ème, 4ème et 5ème avaient une petite chance de monter. Là, il n'y aura que les 2 premiers qui vont monter. Attention avec le ballon côté gauche pour les Messins qui vont pouvoir, pourquoi pas, repartir de l'avant. On entre dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire entre Caen et Metz. Caen qui est en train de mener pour le moment. Caen qui est en train de mener alors que ça fait 81 minutes que l'on joue très, très, très exactement. Caen qui tient vraiment le bon bout, mais c'est pas encore terminé puisque les Canets vont pouvoir, pourquoi pas, partir en attaque pour aller chercher le 2-0. Ce sera récupéré par les Messins. Oh, le contre à jouer pour Metz. Le contre à jouer pour Metz. On a un bon ballon côté gauche, là, pourquoi pas, pour les Messins avec le centre à jouer. Second poteau, la rap prise les Messines. Non, ça va passer à côté des buts de Mandrea. Déjà que Mandrea est dans un très grand soir, hein, ce soir, le gardien Canet, forcément que ça lui facilite grandement la tâche là, que de mettre cette frappe pas cadrée là de la part de Mikko Dadze. Mikko Dadze, il était vraiment très 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 présent, hein. Je vous jure qu'il mérite d'être récompensé par un but, mais malheureusement voilà, là il est pas juste sur son geste le numéro 9 Messin, et on en reste à 1-0, mais il est très bon, il est très bon. Tu commences à quelle heure ton live demain, PSG contre Monaco? PSG contre Monaco, demain on commencera. Le match commence vers 21h, on commencera le live entre 20h et 20h15, les gars. On commencera le live 1h45 minutes avant le début du match. Attention avec le ballon qui va être récupéré là par les Canets côté droit. Quand qui va pouvoir écarter là, pourquoi pas. Ce sera récupéré par les Messins. Récupération haute là de la part des Messins. Avec Yadé qui est en train de passer. Yadé qui va perdre ce ballon. Ça reviendra finalement dans les pieds de Traoré. Traoré qui le perd à son tour. Les Canets qui vont pouvoir remettre le pied sur le ballon et dégager. 8 minutes à jouer entre Caen et Metz. 1-0 toujours pour les Canets. Le match est à 20h30 du coup. Ah, il est à 20h30 le match. Ah oui, il est à 20h30 le match demain entre Monaco et le PSG. Bah du coup, ouais, il est à 20h30. Du coup, bah on commencera le live à 19h30, 19h45, les gars. Attention, le centre second poteau. Il y a un ballon sur le terrain. Arbitre qui n'arrête pas le jeu. Alakouche qui continue. Alakouche, bah, on a sur base de réparation avec Ibrahim Agnan. Il faut arrêter le jeu, monsieur l'arbitre. Normalement, quand il y a un ballon sur le terrain, mais non, l'arbitre qui n'arrête pas. Ouais, il y a un joueur qui a sorti le ballon. La frappe de la part des Messins sera dégagée par les Canets. Salut ici, tu fais toujours du foot dans ton club? Non, j'ai arrêté, les gars. J'arrête cette saison le foot en club. Mais en vrai, je pourrais vous faire plus de live au moins. Je pourrais vous faire plus de live parce que ça me prenait beaucoup de temps, hein, le foot. En plus de ça,
mon niveau n'est pas très élevé, donc je peux espérer aucune carrière footballistique. Donc faut passer à autre chose. Attention avec le ballon écarté côté gauche là pour les Canets. Non, en vrai, ouais, j'arrête. Mais comme ça, j'aurai plus de temps pour les lives. Pourquoi t'es pas sur Twitter? Je sais pas qui, mais si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux, vous pouvez me suivre sur Instagram, les amis, pour parler foot. Même hors live, listy-foot sur Instagram. Attention, mes réseaux sont marqués juste là pour ceux qui veulent. Et sur TikTok, vous pouvez me suivre. Listy-foot tout accroché sur TikTok, où je mets parfois les buts en image sur TikTok, les amis. Mais voilà, TikTok et Instagram, ce sont mes deux seuls réseaux. Avec le ballon dans les pieds des Messins, Jalot côté droit, Jalot pour Severim Braimania, Nanyang qui se bat, qui va redonner ce ballon à Miko Tadze qui va perdre le ballon. Il y aura une touche à jouer là pour Metz côté droit. 84 minutes que l'on joue, 6 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. Toujours 1-0 pour Caen. Salut Gian. Je vais reprendre le foot, ok, Nathan. S'il est vraiment mauvais, je signe sans exister pour qu'il revienne à Nancy, nommé Bruno. À bientôt, Maxer. Salut, Maxer, à bientôt. Genre, les gens ont dit que Metz allait gagner largement. Et bah non, mais oui, ouais, mais moi le premier, j'avais parié un 2-1 pour Metz. J'avais vu le but de Caen, mais pas les deux buts de Metz, hein, malheureusement pour les Metz. Hein, mais en vrai, Metz mérite une égalisation. Je pense qu'on est clair là-dessus, Metz mérite, il suffit de regarder les stats, même dans le match, Metz mérite d'égaliser. Mais on peut rien enlever aux Canets qui ont fait vraiment un match de ouf. Ils ont mérité, ils méritent. En même temps, Metz mérite d'égaliser. Je pense que le score le plus logique, ce serait un partout. Mais en même temps, Caen n'a vraiment pas volé cette victoire avec un très beau but de Diani. Il n'y a pas eu un but contre son camp foireux ou quoi que ce soit. Très beau but de Diani. Et les Canets, chez eux, ont été bien poussés par leur public. Je pense qu'il y a eu leur rôle à jouer ce soir. Les Canets méritent amplement leur victoire. Même si Metz fera des gros regrets parce que les occasions, ils les ont eu. Hein, 17 tirs, 5 cadrés. Ils ont eu un manque de réalisme. Hein, les Messins, alors que là, on aura un ballon qui va être récupéré là par les Canets. Caen qui va pouvoir peut-être écarter côté droit, oh le ballon là côté droit, la grosse faute de la part de Yadé, grosse faute de la part de Yadé qui va se prendre le carton jaune, hein. Carton jaune logique, forcément hein, le geste n'est pas très dangereux mais c'est une faute d'anti-jeu, le carton jaune pour Yadé est distribué par l'arbitre, carton jaune pour Yadé distribué par l'arbitre, Yadé alors qu'il était entré en jeu se prend le jaune, salut mon Ethan, sous des chaleurs insupportables, sûr que la chaleur on sait qu'il y a certains joueurs qui la supportent plus que d'autres. Est-ce que c'est responsable de la défaite Messine? Je sais pas, mais c'est vrai qu'en ce moment il fait très chaud. J'utilise OBS Studio, les amis, pour stream, pour ceux qui me demandent. Je continue et puis on a commencé lundi. Ah ouais, t'as commencé lundi les entraînements? Ah ouais, hop, oh, là, tout ce que tu m'énumères, Loan, je me dis, j'ai bien fait d'arrêter. Mais bon, j'ai arrêté le foot, mais en même temps, je vais faire classe sport au lycée, donc bon, j'aurai quand même du sport. Mais au moins, ce sera sur mes heures de cours et pas sur mes heures où je pourrais vous faire des lives. Donc je pourrais vous faire plus de live. Allez, coup franc à jouer pour les Canets. Alors qu'on a un remplacement du côté de Metz. Dernier remplacement du côté de Metz. Avec la sortie de Miko Tadze qui a fait un match énorme. On peut l'applaudir même s'il n'a pas marqué. Même si son équipe n'a pas marqué. Miko Tadze qui a fait un très beau match. Et donc il va céder sa place à Wagner. Wagner qui rentre du côté messin. Prono pour Real Francfort. On va attendre le coup franc là qui va être joué par les Canets. Ce sera dégagé là par les Messins avec un ballon côté gauche. On aura peut-être un contre à jouer pour les Messins. Metz qui va perdre le ballon sera récupéré par Caen de nouveau. Prono pour Real Francfort. Je vous les dirai mercredi lorsqu'on commentera le match Real Francfort pour réfléchir. Un match comme ça pour réfléchir. Même si c'est vrai que Francfort s'est pris 6-1 face au Bayern. Le Real semble être pas mal. Je te dirais une victoire du Real. Mais mon prono exact, je sais pas encore. Attention avec les Canets qui ont toujours le ballon. Caen qui va revenir avec ses défenseurs. Ils font tourner. Ils gagnent du temps les Canets. Mais bon, ils ont bien raison. Ils ont bien raison avec Cissé. Bonne soirée mon Patrick. Ciao mon Patrick. Ciao. À bientôt Patrick. 4 entraînements par semaine. Laisse courage mon Loan. Après. Si t'aimes ça, c'est sûr que c'est cool avec un ballon côté droit là pour les Canets. Et il y aurait une touche à jouer pour Metz. On rentre dans les deux dernières minutes du temps réglementaire. Caen qui est quand même très très bien parti pour s'imposer chez eux. Hein. Clairement les Canets qui sont très très bien partis. Alors que là l'arbitre l'arbitre qui va signaler une touche encore une fois côté gauche dans le Caen de Caen. Ouais non même pile sur la ligne médiane. Touche à jouer là pour les Canets qui gagnent un maximum de temps. Alors qu'on voit les supporters applaudir hein, même les Canets parce qu'ils savent. Hein. Ils le savent, c'est pas encore gagné mais ils le savent que c'est presque gagné hein, pour Caen aujourd'hui. Ils ont vraiment réalisé un match sérieux du début jusqu'à la fin.
Et il mérite clairement cette victoire aujourd'hui, les Canets, même s'ils sont tombés face à une équipe de Metz qui jouait bien, mais qui était vraiment en manque de réalisme. Gros manque de réalisme pour les Messins aujourd'hui. Et c'est ce qui permet aux Canets de s'imposer quand il rejoint Guingamp. Guingamp qui, avant le début de ce match, était la seule équipe à s'être imposée lors des deux premiers matchs. Et bien, quand vient les rejoindre, regardez au niveau du classement, les amis, quand rejoint Guingamp avec 6 points, quand il s'était imposé la semaine dernière sur le score de 1-0 face à Nîmes. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'imposer 1-0 face à Caen, mais face à Metz. Mais attention, c'est pas encore terminé, puisque les Messins font encore tourner. Il reste une minute à jouer dans le temps réglementaire. Il y aura du temps additionnel. C'est jamais terminé dans un match de football, on le sait, on a vécu tellement de remontada, les amis, ensemble. On le sait que c'est loin d'être fini. Le ballon par-dessus pour les Messins qui sera capté par Mandrea. Et voilà, encore une fois, une passe comme ça pour Metz. Je sais pas ce qui se passe dans la tête du Messin qui a fait cette passe. Alors, est-ce que c'est parce qu'il l'a mal réalisé? Je sais pas, mais là, c'est même pas une question de réalisation. C'est que il y avait personne en fait dans la surface. Qu'est-ce qui vient mettre un ballon dans la surface alors qu'il y avait personne? Des fois, je comprends pas trop les choix Messins. Salut Maël. Tu live tous les matchs de Ligue 2, pas tous Romuald, mais en tout cas le match de 15h et le lundi soir, tant que j'aurais pas repris les cours, je vous les ferai tous. Et j'aimerais bien faire le multiplex Ligue 2, j'aimerais bien faire le multiplex Ligue 2 aussi à 19h le samedi, mais peut-être que ça arrivera, hein, peut-être que le week-end prochain on fera le multiplex Ligue 2. Je verrai, mais le problème c'est que faire un multiplex avec 8 matchs, c'est toujours très compliqué. Ballon côté droit là pour les Messins, encore une fois dans la surface de réparation Canet, l'arbitre qui va signaler une sortie but, renvoie à 5m50, à jouer pour Caen alors qu'on a à la couche là qui est à terre. Allez, il y aura une sortie but du coup à jouer pour les Canet, ça y est, on entre dans le temps additionnel. On entre dans le temps additionnel, les amis. Et merci à tous, je vois que limite on est bientôt 400 likes quoi. Peut-être que si jamais ceux qui n'ont pas encore liké, like, peut-être qu'on arrive aux 400 likes les amis. Merci à tous pour vos likes, merci encore à tous qui s'abonnent. Allez, on va revenir au match, on entre dans le temps additionnel les gars. 4 minutes de temps additionnel. Je vous mets le temps additionnel en haut à gauche, 4 minutes les amis de temps additionnel. Hop. 4 minutes les gars de temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel entre Caen et Metz. C'est pas fini. Allez, ballon qui va sortir en touche là côté gauche du coup pour les Messins. Allez, cette touche qui va être jouée. 30 secondes que l'on joue dans le temps additionnel. Les Messins qui ont le ballon. Ballon qui va être écarté à droite avec Jalot. Jalot qui va tenter de porter le ballon. Il y aura peut-être encore une occasion. Bien sûr que je connais, je sais pas qui c'est. Ballon toujours dans les pieds des Messins, ils vont rentrer dans la surface de réparation là, belle intervention de la part des Canets, mais est-ce qu'ils se battent toujours là pour tenter d'avoir au moins une dernière occasion? On aura un Messin qui va s'écrouler, l'arbitre qui ne signale rien à part une touche pour Metz. Côté droit, on a le coach Messin qui est debout dans sa zone technique, c'est pas encore terminé, il reste 3 minutes, hein. 3 minutes à jouer dans le temps additionnel, toujours 1-0 pour Caen grâce à l'ouverture du score de Diani à la 38e minute de jeu, mais il reste encore 3 petites minutes dans le temps additionnel. La touche qui va être jouée, la côté droit pour les Messins avec à la couche, c'est joué, il va pouvoir revenir derrière avec Yadé qui attend du soutien. Il va servir Ibrahim Magnangle, 1-2, il y a des ballons dans la surface de réparation, ce sera tellement récupéré par les Canets. Quand côté gauche, quand il va pouvoir relancer ce ballon, oh là là, quand il va pouvoir partir en compte, merci beaucoup Mister Gaming pour ton abonnement, quand il va pouvoir partir en compte, pourquoi pas, 1 minute 30 que l'on joue dans le temps additionnel, les Canets qui ont le ballon, la transversale, la côté droit qui sera contré par le dos d'un Messin, les Messins qui vont pouvoir récupérer ce ballon, on est dans le camp Canet, entrée, ouais, oh là là, c'est du rugby là, c'est même plus du foot, c'est du rugby. Le Canet, il a plaqué carrément le Messin. Plaquage digne des plus grands. Et ça fera carrément carton jaune. Ça fera carrément carton jaune pour le Canet. Qui a clairement plaqué Wagner là. Il l'a plaqué, hein. Clairement c'est du rugby. Carton jaune pour le Canet. Et donc ce sera un carton jaune pour Van der Merch. Et pourquoi pas justement pour les Messins là, puisqu'on a Wagner qui va pouvoir frapper ce coup franc, il va pas pouvoir se frapper direct, mais il y a du monde dans la surface de réparation. Pourquoi pas l'égalisation des Messins? Et si les Messins venaient à égaliser sur coup de pied arrêté, ce serait absolument fou. Alors qu'il reste 1 minute 30 à jouer dans le temps additionnel, Wagner et son pied droit au coup franc, on est à environ 30-40 mètres de la surface de réparation du gardien Canet. Il y a du monde dans la surface de réparation, on a Nian, on a pratiquement toute l'équipe, hein, pratiquement toute l'équipe Messine. Le coup franc qui est très bien frappé, le ballon qui va être dégagé là par la tête
par la tête des Canets, c'est pas encore terminé. Il y aura un contre à jouer là, pourquoi pas côté gauche avec Abdi. Abdi qui va porter le ballon, ce sera récupéré par Metz. Allez, là Metz, il y aura encore une dernière occasion. Il y aura encore une dernière occasion, 3 minutes dans le temps additionnel. Il reste plus que 1 minute. Il reste plus que 1 minute entre Caen et Metz dans ce temps additionnel. Et ensuite, ce sera fait pour les Canets qui vont rejoindre Guingamp avec 6 points. Tout comme les Guingampais, l'occasion de 2-0, pourquoi pas pour Cannes là côté droit, et il y aura un coup franc. Il y aura un coup franc à jouer là pour Metz. Coup franc à jouer pour Metz, position de hors-jeu, le coup franc qui va être frappé. Ce sera écarté côté droit. Les Messins qui rentrent dans le camp de Caen. Il y aura une touche à jouer là pour Metz côté droit. Ils sont dans le camp des Canets, proche de leur poteau de corner. Allez là, il faut mettre ce ballon dans la boîte. Il faut mettre ce ballon dans la boîte. Ballon écarté côté droit pour Caen, Metz encore une fois. Encore une touche. Encore une touche à jouer pour Metz. Ouais, il semble tenir bon les Canets, même si il reste encore 20 secondes. Faut mettre ce ballon dans la boîte là. Il faut mettre ce ballon dans la boîte là pour les Messins. Ballon qui est écarté côté droit avec Yadé. Voilà, Yadé qui va mettre le ballon dans la boîte avec Ibrahim Agnan peut-être. Ah, il suivait pas malheureusement Ibrahim Agnan. C'était la dernière, il reste plus que 5 secondes. C'est bientôt terminé, c'est bientôt fait pour les Canets. L'arbitre qui n'a pas encore mis le sifflet à la bouche. Il y aura une touche à jouer côté gauche pour le stade Malherbe de Caen. Et ça y est les amis, c'est terminé. Entre Caen et Metz, victoire 1-0 des Canets. L'animation qui a un petit peu bugué, mais voilà, c'est joué, c'est fait pour le stade Malherbe de Caen qui s'est imposé face à Metz. Honnêtement, ils n'étaient pas forcément favoris, les Canets, qui jouaient face à une belle équipe de Metz. Metz qui a bien joué, le contenu était bon, mais un gros manque de réalisme du côté des Messins. On a honnêtement vu un très beau match, un match très disputé comme on l'avait annoncé, mais c'est les Canets qui ont eu le dernier mot, puisque eux au moins ils ont été réalistes. Et voilà, regardez au niveau des statistiques, 43% à 57% de la possession pour les Messins, 17 tirs à 13 pour Metz, 5 tirs cadrés à 3 pour Metz, mais c'est pourtant Caen qui a mené. Une question de réalisme, et bravo Canet, franchement bravo Canet. Le score logique aurait été un partout, mais Caen a clairement rien lâché. Ils ont été très solidaires en défense et ils ont quand même mérité cette victoire. On a Gaël là qui nous met, on a vu quelques trucs sympas. C'était une belle opposition de Gaël, très belle opposition, très beau match aujourd'hui entre Caen et Metz. Encore un énorme merci vraiment mon Gaël, c'est fou. Je te le répète tous les jours, hein, mais je vais essayer de me bouger vraiment Gaël. Mais merci à toi en tout cas pour ce soutien encore énorme. Merci encore à Christophe et à William qui ont vraiment soutenu énormément la chaîne. Hein. Je le dis avant que certains s'en aillent. Bonne soirée et très bonne vidéo. Merci beaucoup William. À bientôt mon William. À bientôt à tous ceux qui s'en vont les amis. Nous on reste encore ensemble. Hein. On reste encore ensemble hein, puisqu'on va débriefer un petit peu ce match là. On va parler des prochains lives aussi hein, sur la chaîne hein, bien évidemment. Mais voilà, à bientôt à tous ceux qui s'en vont. À bientôt à tous ceux qui s'en vont. Mais nous on va un petit peu débriefer les amis, 1-0 de coup pour Caen. Je vous laisse regarder les statistiques. Je vous remets le classement du meilleur buteur de Ligue 2 avec Boutoba, Godin, Livolan, Magri, Naiji avec 2 buts. Et du coup est-ce que Diani rentre dans le top 10? Oui bah oui, du coup Diani rentre dans le top 10. Mais bon, il est égalité avec Aiki, avec Aroko Daré, avec Bakwa, etc. Mais voilà, je vous remonte le classement des meilleurs buteurs de Ligue 2 pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et je vous remonte les statistiques. Si jamais vous avez des petits débriefs à me mettre, mettez-moi tout ça. On a Adam qui nous met, ils ont bien joué et ils ont fait le travail. Nous met Adam, donc en parlant j'imagine des Canets. Bien sûr qu'ils l'ont mérité. Prends pas le seum, nous met Adam. Ils ont complètement mérité leur victoire les Canets. Le score logique, même si voilà, il n'y a pas de logique, j'aime pas employer ce mot-là quand on parle de match de football, mais le score logique aurait été un partout, je pense, un match nul. Mais ils ont vraiment mérité leur match, les Canets qui étaient beaucoup plus réalistes. Alors qu'on a Udol qui est blessé hein, du côté Messin. Udol qui sort en boitant, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Mais voilà, quand ils ont été très solidaires en défense, ils ont marqué le but qu'il fallait, ils ne l'ont pas volé, hein, le but, très beau but sur corner. Et puis après, ils ont fait le match parfait en fait, ils ont fait le match parfait les Canets. Mais de rien, c'est plaisir. Merci beaucoup, mon Gaël, encore, hein, vraiment, les amis. Et merci à tous, hein, vraiment, merci à tous pour votre soutien de ouf. Comme je vous l'ai dit, hein, depuis le début de la chaîne, vous êtes vraiment nombreux à me soutenir et ça fait extrêmement plaisir. Et vous êtes encore plus nombreux depuis ce week-end, c'est vraiment incroyable. Donc merci pour votre soutien, les gars. Metz-Caen, ça va être un duel de haut de tableau pendant toute la saison. Mais Nathaning, c'est bien parti pour, en tout cas. Je vais vous montrer le classement, les gars. Je vais vous montrer le classement, le classement juste là, Caen qui passe deuxième, Guingamp qui est premier, alors que les Messins restent dans le ventre mou du classement avec une victoire, une défaite. Je vous laisse regarder le classement à droite. Merci pour le direct, bonne fin de soirée. A bientôt Wari, à bientôt, bonne fin de soirée également. Plus que 9 likes avant les 400 likes. Attends, j'avais même pas vu à ce Nanteuil. Wouah.
390 likes, les amis. On est effectivement à 10 likes des 400 likes. Vous êtes des monstres, vous êtes des monstres, les gars. Alors, je regarde un petit peu du coup vos débriefs. Ici, c'est Paris, mais Anthony, dans la ville sans cloche, partout résonnera le chant des canets. Voilà, on a Noah qui nous met un chant canet là dans le chat. À bientôt, Lucas. À bientôt, Lucas. Bravo à vous, les canets nous mènent à Taling. Bonne soirée, super GG, à bientôt. Bonne nuit Sergio, à bientôt Sergio. A bientôt Sergio. Par contre, notre voisin alsacien, le RC Strasbourg, se bonifie d'année en année. Il nous met Bruno qui parle de Strasbourg. Même si Strasbourg n'a pas si bien démarré que ça leur saison en perdant face à Monaco. Ils ont failli arracher le nul. Et malheureusement, c'était une défaite pour les Strasbourgeois face à Monaco. Mais c'est vrai que Strasbourg est une très grosse équipe également. Alors qu'on a Tristan Klose qui nous met. Chaque duel. Ils étaient à terre, nous mettre Tristan. Ouais, le jeu était un peu haché. En vrai, j'ai vu pire. Le jeu était un peu haché à la fin. C'est sûr que les Canets, à chaque fois qu'il y avait une petite faute, bah, ils essayaient de gagner du temps. Mais voilà, c'est comme ça hein, maintenant dans le football, les amis. À chaque fois qu'une équipe gagne 1-0, que c'est serré en fin de match, chaque petite action où on peut gagner du temps, bah, on n'hésite pas souvent. Et c'est ce qu'ont fait les Canets. Mais en vrai, j'ai vu pire comme match. Honnêtement, j'ai vu pire comme match haché. Hein. Je suis désolé, mais les Messins ont pris je ne sais pas combien de jaunes pour des fautes qui ne sont pas forcément méritées. Oui, mais c'est sûr, c'était ça sur tout le match. Par contre, je rejoins Tristan sur un truc. C'est vrai que les Canets ont eu un carton jaune en fin de match. C'est Van der Merch qui s'est pris le carton jaune. Metz a eu 4 cartons avec Miko Twadze, Maiga, Kandé et Yadé. Donc 4 cartons à 1. Si on regarde les statistiques des fautes, je vais juste regarder un truc parce que j'ai eu, après je sais pas si c'est une impression, mais j'ai eu l'impression que l'arbitre sortait quand même pas mal de jaunes pour Metz. Alors après voilà, les fautes Messine étaient aussi peut-être un peu plus agressives, c'était justifié hein, par moment, mais il y a des moments, enfin je dis honnêtement, les 4 cartons Messins, ils étaient justifiés, les 4 cartons jaunes Messins, ils étaient justifiés, mais il y a des moments où les Canets, ils faisaient quelques fautes d'anti-jeu pour bloquer les offensives Messine, et l'arbitre pouvait sortir quelques jaunes, il en a sorti qu'un seul, je pense qu'il aurait pu en avoir un peu plus pour les Canets. Après bon, c'était pas non plus très flagrant, hein, les amis, l'arbitre a fait un bon match, hein, l'arbitre a fait un bon match sinon dans l'ensemble, mais voilà, on va regarder les statistiques et notamment les fautes les gars, donc là vous avez toutes les statistiques de base, on va un petit peu descendre en profondeur on va dire dans les stats. Donc du coup voilà, 57% à 43 la possession pour Metz, 17 tirs à 13 pour les Messins, 5 tirs cadrés à 3 pour Metz, les tirs non cadrés bon bah, c'est pas important, les tirs bloqués non plus, hein, 4 arrêts hein, de la part, enfin 4 tirs bloqués par 4 tirs bloqués Messins, donc 4 belles arrêts ça veut dire de la part du gardien Canet qui a fait un très bon match hein, le gardien Canet, 12 coups francs à 18, 4 corners à 1. Et du coup quand on descend, moi je voudrais voir voilà, la statistique des fautes, 18 fautes à 12 quand même pour les Messins, 18 fautes à 12 pour les Messins, donc on a, les Messins étaient quand même plus fautifs. Quand on descend au niveau des passes, on voit que voilà, les passes, 490 passes à 370, 389 passes réussites à 264. Les Messins avaient poussé le ballon, les Messins faisaient pousser tourner, mais voilà, dominer n'est pas gagné encore une fois, hein, c'est l'exemple parfait. Hein. Que penses-tu de Bordeaux? Bordeaux a eu une saison très compliquée, Aziris, c'est pour ça qu'ils se retrouvent du coup en Ligue 2, mais ils ont un beau début de saison les Bordelais en Ligue 2 et j'espère qu'ils vont se remonter, hein, qu'ils vont réussir à remonter les Bordelais. Mais sinon c'est une bonne équipe avec des gros supporters également. Mais il y a une très grosse ambiance aussi. Hein, très grosse ambiance ce soir à Caen les amis. On remercie et on peut applaudir les supporters qui. Ont aidé aussi au fait que ce match était un plutôt beau match, les amis, puisqu'il y avait du bruit ce soir au stade Michel Dornano. Voilà, du coup, les amis. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton message. Voilà, je le répète, vraiment, je le répète, mais je vous remercie pour tous ceux qui deviennent membres. Merci à tous pour tous vos dons, merci à tous pour vos likes, pour vos abonnements, c'est fou. Mais aussi un énorme merci pour vos messages. Des messages comme le mec Guillaume, ça fait ultra chaud au cœur. Merci, les gars, vraiment. Très bon live mon ami en tout cas. Merci beaucoup mon frérot Gaël. Merci encore Gaël aussi. Gaël c'est vraiment un crack. Hein. Et donc voilà Gaël, je te l'ai montré. Il est là le ventilateur, il est là et il me sert bien. Il me sert bien surtout avant quand je prépare les lives. Avant quand je prépare les lives pour que la pièce elle chauffe pas trop. Je mets un petit coup de ventilo et comme ça je suis mieux. Donc merci à toi Gaël. Parce que voilà pour tous ceux qui ne savent pas, Gaël avait fait un don à un moment sur la chaîne où il avait mis ce don, il est fait pour le ventilo. Et du coup il est là le ventilo. Et merci à toi mon Gaël. Et merci bien sûr à tous les gars, vous êtes vraiment des craquins. Mais c'est le favori de la saison, mais Nataling.
C'est vrai que voilà, je répète comme on l'avait dit en avant-match, Metz est une équipe qui a l'habitude de descendre en Ligue 1, de descendre en Ligue 2, de monter en Ligue 1, comparé vraiment à d'autres équipes. La plupart des équipes qui descendent en Ligue 1, souvent on dit, même Saint-Etienne, hein, Saint-Etienne on a dit, bon bah voilà, les Stéphanois ils vont descendre en Ligue 2, ça va être très compliqué pour monter en Ligue 1. Parce que voilà, faut reconstruire un groupe, etc. Quand tu descends en Ligue 2, tu perds beaucoup de joueurs, faut reconstruire un groupe, tout ça. C'est pour ça que rares sont quand même les équipes qui descendent puis qui remontent. Voilà, il suffit de prendre l'exemple de cette année. Toulouse, Auxerre et Ajaccio qui sont montés, c'était pas des équipes qui étaient descendues il y a 3 ans du coup. Mais Metz, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de descendre et de l'année d'après remonter. C'est pour ça qu'ils font partie notamment des favoris, mais ce soir, les Canets qui ont fait tomber les Messins. Est-ce que tu as vu le but de l'année Guingampé? Je l'ai vu tout à l'heure, le but de l'année, il est incroyable. Il est incroyable le but de Guingampé. Hein. Quel but magnifique. Salut Marie. Moi je suis pour Metz car j'habite près de Metz, nous met Nicole. Prochain c'est Dijon pour Caen. Je vais vous montrer si vous voulez la prochaine journée les amis. Je vais vous montrer la prochaine journée si vous voulez. Elle est là la prochaine journée de Ligue 2. On aura un Guingamp Paris FC samedi à 15h qu'on fera peut-être en live dans le multiplex à 19h. Il y aura Bastia Grenoble, Annecy Laval, Nîmes, Rodez, Bordeaux Niort, Dijon contre Caen, Sochaux contre Amiens, Metz face à Valenciennes et Le Havre face à Pau. Et lundi il y aura un très beau Quevilly Saint-Etienne que l'on suivra là aussi en live. Et peut-être qu'on fera le multiplex samedi à 19h, mais ça m'étonnerait en vrai, parce que c'est compliqué de faire un multiplex à 8 matchs. Le commenter, c'est compliqué, mais c'est possible, on va dire, mais surtout pour le préparer. J'ai pas encore fait l'interface pour les multiplex de 10 matchs, parce que voilà, il y aura des multiplex 10 matchs hein, à la fin de la saison en Ligue 1. Je les ai pas encore fait, je vais essayer de les faire vite pour essayer de faire quelques multiplex les samedis à 19h en Ligue 2, parce que ça peut être très cool aussi à suivre des multiplex Ligue 2. Comment tu fais pour les compos? Pour les compos en bas à droite? Bah voilà, pour les compos en bas à droite, ça fait partie de l'interface. Hein, c'est tout ce que j'ai fait lorsque la saison s'est terminée. On avait un petit temps pour se reposer. Les joueurs sont partis en vacances et donc j'en ai profité pour faire les nouvelles interfaces, y compris les compos bien sûr à droite. Et d'ailleurs, j'espère que vous aimez les interfaces, les amis. Merci beaucoup, Jules, pour ton abonnement. Mais voilà, dans les prochains jours, il y aura quelques modifs sur les interfaces. Je vais pas tout changer, mais il y aura quelques modifs. Je pense que le score, etc., je vais changer pour voilà, que ce soit encore mieux, on va dire. Et puis, je vais aussi changer les miniatures. Pour ceux, peut-être que certains ont fait gaffe. Hein. J'ai changé légèrement les miniatures. La miniature de Caen Metz, en tout cas, je l'ai changée. Et je vais peut-être faire d'autres modifs. En tout cas, voilà, si vous voyez des miniatures qui changent, ne soyez pas surpris, les amis. Il y aura peut-être des modifs qui vont arriver. Ce ne sera pas des grosses modifications, mais il y aura peut-être quelques modifs. Parce que voilà, je vais faire de nouvelles miniatures. Ce soir, c'en est une nouvelle, mais peut-être que je serai amené à les rechanger, je verrai encore. Mais bon, après, les miniatures, c'est pas non plus très très important. Je suis mal poli car j'ai même pas dit salut. C'est pas si, Nicole, salut, salut. Tu feras le match de Laval? Je pense pas. Je ferai samedi à 15h et lundi à 20h en Ligue à 20h45. Il y a de grandes chances que je les fasse. Mais tout ce qui est multiplex samedi à 19h, je pense pas honnêtement. Merci Tristan Klaus, merci pour ton message. Oui, oui, c'est vrai que commenter les matchs du multiplex, c'est toujours chaud hein, de commencer 8 matchs en même temps, c'est vraiment compliqué. Mais voilà, c'est possible, même si il faut être en forme. Mais c'est pour voilà, c'est pour préparer le live en fait, pour vous afficher les scores, etc. C'est ça qui met beaucoup plus de temps. Et puisque je l'ai pas encore fait, je pense que j'aurai pas le temps de le faire dans la semaine. Et en plus de ça, vous savez que les samedis, il y aura voilà, les samedis, il y a un match de Ligue 1 à 17h, il y en a un autre à 21h, il y aura le match de Ligue 2 à 15h. Donc si je commence à 15h et que je finis à 23h, ça fait très long la journée. Sachant que le dimanche, il y a encore une des journées de Ligue 1 à Donf. Enfin, il y a des matchs de Ligue 1 à Donf, donc c'est aussi pour ça que c'est compliqué. Donc voilà, j'ai vu le but de l'année, Guingampé, effectivement, Azul. Je pense que du PSG cette saison, très grand PSG. Hein. J'ai l'impression qu'on a retrouvé un PSG, voilà, vraiment, l'année dernière, on a eu... J'ai l'impression que tout le long de la saison, l'année dernière, on disait pour Paris, ouais, le jeu de Pochettino, il faut attendre encore un petit peu pour qu'il se mette en place et tout. Alors que là, le match de Nantes et le match face à Clermont, moi en tout cas, c'est mon point de vue et c'est le point de vue de beaucoup de Parisiens. Vraiment, là, ça y est, Paris a un réel jeu. Tout le monde a trouvé sa place au sein du collectif parisien. Et vraiment, je pense que ça va être une très grosse saison pour Paris. Excusez la Laval, c'est mon petit club de cœur, nommé Steven. On aura sûrement l'occasion de les retrouver dans la saison, Steven. Mais je verrai les amis. On va pas tarder hein, à se quitter, à se dire à bientôt. Mais on se retrouve très vite. On se retrouve très vite parce qu'on se retrouve demain entre Monaco et le PSV Eindhoven. On se retrouve aussi mercredi entre le Real et Eintracht Francfort, les gars.
On va se quitter dans quelques secondes, mais avant qu'on se quitte, ce que je vous propose, c'est que j'aille programmer Monaco PSV, hein, les amis. Hein, puisque demain, on fera Monaco PSV. Je vous programme Monaco PSV, les gars. Et puis, c'est cool. Hein. Je vais vous programmer Monaco PSV Eindhoven. Et une fois que j'aurai terminé de programmer Monaco PSV, et ben, on se quittera et on se dira du coup à demain pour Monaco PSV, effectivement. Alors, hop là, je vous fais la miniature de Monaco PSV Eindhoven. Et ensuite, je vous le programme. Et puis ensuite, on se dira à bientôt. Je vous souhaite à tous. Attends, j'ai pas vu le message parce que du coup, il y a un truc qui s'ouvre par-dessus. Hop. Hop. On a Gaël Kilomel. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi. Enjoy life to me, Gaël. Encore un énorme merci vraiment à Gaël. Je vais essayer de me bouger, Gaël, pour t'offrir un petit truc parce que vraiment merci beaucoup, Gaël, pour ton soutien. À bientôt, mon Gaël. Enjoy life, bien évidemment. Et je te souhaite également une très bonne fin de soirée. Bonne nuit à toi, Gaël. À bientôt, Gaël. Merci beaucoup, mon Gaël. Merci beaucoup, Gaël, encore. Il est trop fort. Il est trop fort. À demain, Bruno. À demain, Bruno. J'utilise OBS Studio, les amis. J'ai beaucoup de questions de ce genre. Hein. Pour faire tout ça, j'utilise OBS Studio, les frérots. C'est un logiciel de streaming assez basique. Lissi, merci pour ce live de Ligue 2 du lundi et le samedi. Si tu peux, pas de soucis, mon Mohamed. Il n'y a pas de problème, Mohamed. Hein. C'est vraiment un plaisir de partager ces moments avec vous. Bonne nuit à tous et peut-être à demain, nous met Nicole. Bonne nuit, à bientôt, Nicole. Allez les amis, je vais vous faire la miniature de Monaco PSV Eindhoven demain, ou plutôt, parce que c'est un détail qui a son importance, PSV Monaco. C'est au Pays-Bas que ce match se joue là, il y a eu un partout au match aller. Je rappelle que les matchs à l'extérieur ne comptent pas, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Monaco. Ça va être très compliqué demain pour Monaco en vrai. Ça va pas être facile. Alors, hop, PSV Eindhoven Monaco. Ce sera demain à suivre en direct sur la chaîne. Monaco PSV Eindhoven. Je vous fais la miniature et ensuite on se quittera. Bonne soirée Hooper. A bientôt Hooper, bonne soirée. Merci pour les 400 likes. Merci beaucoup Hooper pour ton soutien. Bonne soirée à toi, bonne nuit à toi. Salut Bombo qui nous rejoint. Bonne soirée Exo Esti. Bonne soirée Zelox. A bientôt les amis. Salut Karine. Bye, bonne soirée Mohamed. À demain les amis, à tous ceux qui nous quittent. À demain pour PSV Eindhoven Monaco. Voilà, je me dépêche de faire la miniature, comme ça je vous programme le plus rapidement possible PSV Eindhoven Monaco. Et ensuite on se quittera les amis parce qu'ils commencent en plus à se faire tard. Alors Eindhoven, faut pas que je me trompe. N D H O V E N. Oula, mais ça rentre pas. Oh. PSV Eindhoven. Ok, contre Monaco. Tac, je fais la miniature les amis. Hop. PSV Eindhoven Monaco, il manque plus que l'exécution et tout sera bon. Arrive, c'est la fin du live. Pas encore, Bombo Blo, il manque encore de programmer. Vive Malherbe, Mehmet Timéo, à demain mon Ram Team. On est un peu fatigué, on se retrouve pour la Champions League, nous met Omar. Exactement. Bonne nuit à toi Omar, repose-toi bien, reposez-vous bien les amis, reposez-vous bien parce que c'est sûr que là, il y a de gros matchs hein, qui arrivent. Alors, du coup, le logo de Monaco et le logo du PSV, tac. Logo Monaco. Il est là. Je vous prépare la minia, ensuite je programmerai le live et ensuite on se dira à demain hein, les gars. Hop là. Hop. Ok, ça c'est pas mal. Voilà. Hop, j'ai bientôt fini, il manque plus qu'à mettre le logo du PSV Eindhoven et j'ai terminé la miniature de PSV Monaco. Tac.
Désolé les amis, hein, j'anime plus trop, mais là je me concentre pour la miniature. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire au plus vite, comme ça je vous programme le match au plus vite. Et ceux qui veulent aller pré-liker ou lâcher le petit rappel, hein, si jamais vous avez peur d'oublier la rencontre, bah au moins vous pourrez. Hop là, le logo du PSV, il est là, hop. Oh, peut-être, par contre, il a une forme assez particulière, hein, le logo du PSV. Je vais devoir le rétrécir un peu, c'est dommage. Alors, tac. Hop. Voilà. Là, elle prend forme, la miniature. On est bien. Hop, hop. Ok, c'est bon, normalement j'ai terminé. J'ai terminé la miniature. On vise les 18 500 abonnés. Mais bon boblo. C'est vraiment, ça monte à une vitesse folle, hein. Encore merci à tous ce soir. Vous êtes 18 140 à être abonné à la chaîne. On a commencé live. Vous étiez 17 940, un truc comme ça. On a gagné 200 abonnés. Bref, c'est énorme. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent, hein. Vraiment les amis, voilà, vos likes, vos abonnements, c'est un soutien énorme, et bien sûr que ça me pousse à continuer, parce qu'on passe en plus au-delà des chiffres, comme je vous dis, on passe vraiment des moments formidables en live, hein, grâce à vous. Donc merci encore à tous les gars, merci beaucoup. Je vous remercierai jamais assez. J'ai bientôt terminé la miniature, il manque juste à mettre le petit logo de la Ligue des Champions, du coup, parce que ce n'est pas de la Ligue 2 demain, mais de la Champions League. Et une fois que la miniature est terminée, j'avais déjà tout préparé avant de vous commencer le live, j'avais déjà tout préparé, donc j'aurais pas la description, etc. à faire, parce que tout est prêt. J'aurais juste à mettre la miniature, mais en tout cas, ça va être une grosse soirée, hein, les amis, demain, entre Monaco et PSV. Bien sûr que la soirée sera encore plus belle si jamais Monaco se qualifie, parce qu'on aimerait bien avoir une troisième équipe en Champions League. Mais le PSV Eindhoven, c'est une très grosse équipe aussi, hein. Ça va être pas facile pour les Monégas demain, mais en tout cas, on suivra ça ensemble. On espère de tout cœur qu'ils vont se qualifier. Voilà, il y a eu un partout à l'aller, tout est possible en vrai. Hop. Monaco reste quand même, voilà... Je sais pas, ils sont pas spécialement favoris, mais je pense que franchement, il y a moyen. C'est vraiment possible que Monaco se qualifie. Alors, c'est bon les amis, j'ai terminé la Minia. Ah non, c'est vrai que j'ai encore ça. Oh punaise. Minia, PSV, Monaco. Bon, ça va être rapide. Qui va être le premier de nous tous à pré-liker le live PSV Monaco que l'ICI est en train de programmer, nous mettre en taille. Les mecs, merci à tous ceux qui sont encore présents. Vous êtes vraiment patients, les amis. J'essaie de me bouger, mais ça arrive, les gars. Vous inquiétez pas. En tout cas, merci à tous. Hein. C'est sûr qu'on a le petit pré-like, le petit rappel. Ça soutient beaucoup, les mecs. Merci à tous. Hein. Tu pourras nous mettre le lien vers PSV Monaco dans le chat dès que tu auras fini. Il n'y a pas de souci, hein, les gars. Bah, nous met Steven, moi, nous met Exo. Les amis, la miniature, elle est bientôt terminé, puisque je fasse un dernier petit truc sur Photoshop et ensuite on est bon. Minia, PSV Monaco, hop. Filtre. Hop. Voilà, c'est bon les amis. La miniature de Monaco PSV, elle est prête et ça va être une grosse journée demain entre le PSV Eindhoven et Monaco. Ça y est. On vient de la terminer les amis, la miniature. Il ne manque plus qu'à la mettre sur le live. Et ensuite, bah, je peux vous mettre le lien pour ceux qui veulent aller pré-liker le live entre Monaco et le PSV Eindhoven. Enfin, je me trompe à chaque fois, hein, entre le PSV Eindhoven et Monaco. C'est un détail qui a son importance, hein, c'est aux Pays-Bas demain. Alors hop, PSV Eindhoven Monaco, Ligue des Champions. Hop, mince. Hop. Voilà, allez, je vous mets la miniature. Donc du coup, ouais, je démarrerai le live vers début de match 20h30. Début de live 19h45, les gars. 19h45, on aura quand même largement le temps de faire l'avant-match. On aura 45 minutes pour faire l'avant-match. Je pense que c'est pas mal. Minia, allez, c'est bon, je vais vous mettre le lien dans le chat, les amis. Le live, il est programmé sur la chaîne. Je vais vous mettre le lien dans le chat, les amis. Vous êtes prêts, les gars? Nous met Estanteuil. Êtes-vous prêts, les amis? C'est vrai que j'ai pris beaucoup l'habitude de dire les gars et tout, mais il n'y a peut-être pas que des gars. En tout cas, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Je vous mets le lien dans le chat qui sera le premier après liker. Le lien, il est balancé, les amis, dans le chat. Le lien de Monaco, PSV Eindhoven Monaco, que l'on suivra du coup demain en live sur la chaîne. Je vous ai mis le lien dans le chat, les amis.
je serai le dernier à quitter mais bon Boblo. Salut mon Mathéo, salut mon frérot, salut à toi Mathéo. Je viens de m'abonner et je ne regrette pas. Merci beaucoup Karine, merci Karine pour ton message. Et les amis, vraiment, les amis, merci à vous tous pour vos messages. Tout quoi, merci, merci à tous amis, merci beaucoup. Oh là là, ça fait vraiment plaisir. Je vous ai balancé le chat les gars. Je suis trop vif, je suis le premier. Bien joué mon Steven, GG à toi Steven. Et merci à tous ceux qui vont pré-liker, qui vont activer le rappel peut-être. Bon après vous n'êtes pas obligé hein. Je pense que si jamais vous êtes abonné avec la cloche des notifications, il n'y a pas besoin d'activer le rappel hein, je pense. Quoique des fois moi j'ai des bugs, il y a certains youtubeurs auxquels je suis abonné avec la cloche. Et pourtant des fois je reçois pas forcément les notifs. En tout cas voilà, vous pouvez aller activer le rappel hein, si vous voulez, si vous avez peur d'oublier les gars, vous pouvez toujours. En tout cas merci, c'est déjà 12 à avoir pré-liké le live entre le PSV et Monaco. Oh là là, 12 déjà avoir pré-liké, finesse. Merci les mecs, hein. Merci à tous les amis. Faut que je m'enlève ça de la tête, les amis, parce que voilà, y a pas que les mecs. Merci à tous les frérots, les amis, plutôt. Merci les amis. Merci les gars et les filles, bien évidemment, si jamais il y en a. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir mon Bastien, ça va très bien Bastien, bonsoir à toi. Le match est terminé, 1-0 pour Caen. Les Canets, du coup je remonte le classement pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Les Canets qui se placent à la deuxième place du classement. Le Caen et Guingamp qui sont les deux seules équipes à avoir gagné leurs deux premiers matchs. Mince, oh, j'ai mal écrit dans le chat de PSV Eindhoven Monaco. J'ai voulu écrire quelque chose, mais j'ai mal écrit. On peut taper la discute ici, MDR, non mais Steven. Il y en a, ils sont en train de taper la discute sur le chat de PSV Monaco, je suis mort. Le 7ème. Le 7ème like, ok, merci beaucoup, Karine. J'avais pas compris, merci à toi. D'ailleurs, est-ce que tu as bien aussi, hein, Bastien, parce que je t'ai pas demandé. Tu vois qui sur le podium de la Ligue 2? Voilà. Pour moi, ces questions-là, c'est toujours compliqué d'y répondre parce que c'est tôt. Pour moi, c'est tôt de le dire. Après, si je vous dis un petit prono comme ça, c'est. Je pense que ce que je vais te répondre, c'est plus pour le fun que vraiment parce que là, c'est très très tôt. Moi, je vois bien. Je pense que honnêtement, Guingamp, ils ont vraiment démarré fort et je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Donc je les vois sur le podium. Je pense que Metz aussi va être sur le podium malgré l'appréciation des Messins ce soir. Je pense qu'ils vont quand même réussir à finir sur le podium. Les Canets peut-être, hein, Caen qui peut-être aussi. Mais je pense que Bordeaux va réussir aussi à accrocher le podium. Mais genre je pense qu'ils vont être 3ème les Bordelais. Je pense pas qu'ils vont monter mais ils vont réussir à accrocher le podium. Voilà, c'est mon podium mais c'est très tôt hein. C'est vraiment très 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 tôt pour le dire. Mais Caen aussi hein, je pense que Caen ça va être une belle surprise hein, Caen. Parce que Caen l'année dernière ils avaient pas terminé Enfin ils avaient pas fait une saison de ouf l'année dernière je crois les Canets hein. Je sais même pas s'ils avaient pas terminé dans le ventre. Enfin dans la deuxième partie de tableau hein. Ah non, ils avaient terminé 7ème, ok, autant pour moi. Ah donc ça va, c'était quand même pas mal. Mais je pensais qu'ils avaient terminé un peu plus bas, tu vois, Caen. Ok. Salut Théo, c'est la Ligue 2 ou la Ligue 1? La Ligue 2, Azura. Moi j'aimerais Caen, Laval, et après qui vous voulez nommer Steven, Caen, Laval en première et deuxième position. C'est possible. Laval, ils ont fait une victoire, une défaite, comme Metz, c'est possible. Tu peux nous remettre vite fait la prochaine journée de Ligue 2. Les amis, on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus, la prochaine journée de Ligue 2 qui est juste là. On aura un Guingamp Paris FC que l'on suivra sûrement en live. Même si là, c'est pas encore sûr. Hein, mais on suivra sûrement Guingamp Paris FC en live. Passe à Grenoble, Annecy, Laval, Nîmes, Rodez, Bordeaux, Niort, Dijon, Caen, Sochaux, Amiens, Metz, Valenciennes, Le Havre, Pau. Et on terminera par Quevilly, Saint-Etienne lundi. Ce match aussi, on le suivra sûrement en live. Quevilly, Saint-Etienne. Voilà les amis pour la prochaine journée de Ligue 2. Je vous dis à demain pour PSV Eindhoven Monaco. Le live est déjà programmé. Merci à tous pour vos pré-likes sur le live. Ça fait ultra plaisir. Si jamais vous voulez aller like le live PSV Eindhoven Monaco qui aura lieu demain, vous pouvez les amis. Je vous dis à demain pour PSV Eindhoven Monaco. Je rappelle que mercredi on vivra aussi NRAC Francfort Real Madrid sur la chaîne YouTube. Et on redémarrera vendredi avec de la Ligue 1. La seule journée de pause qu'on aura cette semaine, ce sera jeudi. Il faudra en profiter de notre jeudi parce qu'après ça redémarrera à fond. Mais bon, c'est que du bonheur bien sûr le football. C'est que du bonheur les gars. Et on se retrouve demain pour un très grand match de Champions League entre le PSV Eindhoven et Monaco, qui va décider si oui ou non
la France aura un troisième club en Champions League. Si oui ou non, Monaco accédera à la Champions League. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Une bonne nuit à tous. Merci encore pour votre énorme soutien. Merci beaucoup William, Christophe et Gaël pour vos énormes dons. C'était encore énorme ce soir. Merci à tous ceux qui sont abonnés, qui ont liké. Bref, merci à tous du fond du cœur. Je vous remets le lien de Monaco PSV Eindhoven. Je vous remets le lien de PSV Eindhoven Monaco dans le chat. Comme ça, si jamais vous voulez continuer à discuter aussi entre vous, si jamais vous voulez discuter encore entre vous, vous pouvez le faire dans le chat de PSV Monaco. Et je vous dis à demain. C'était l'Istifoot, les amis. Merci à tous pour votre énorme soutien. Comme d'habitude, je vous dis beaucoup merci, mais je pourrais jamais vous remercier assez, les gars. Allez, à demain. PSV Eindhoven Monaco, je compte sur vous également. Ça va être une très grosse soirée là aussi. On espère, on croise les doigts pour la qualification Monaco. Bravo Canet, très beau match des Messins également. Merci à tous, on se dit à demain pour PSV Eindhoven Monaco. Reposez-vous bien les gars, soyez en forme pour demain. Ciao.